Bonsoir streamers, j'espère que vous allez bien. Ce soir on va jouer à Pushionomix. A priori ce sera notre dernier stream dessus. On va essayer de terminer le jeu. J'étais bien parti, la dernière fois j'avais pratiquement tout ce qu'il faut. A priori il suffisait de passer le temps pendant une semaine, ou une dizaine de jours. Mais on va faire un peu mieux que ça, on va essayer de se faire des objectifs, genre faire toutes les potions qui me manquent. Ce genre de choses. Qui est là? J'ai vu un emoji sauter. Salut c'est Jean, comment vas-tu? J'espère que ça va. Oh bah attends, ça c'est pas le jour ça. Hop. Hop là, voilà. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter pour voter pour le prochain jeu que je ferai seul, qui sera le 12 mars. Ça va être une petite session, une session d'un seul stream, donc allez voter sur mon Twitter. Et puis on est parti. On est parti. Coucou Vie, comment vas-tu? Ça va? Si vous entendez bien, c'est pas trop fort, tout va bien? Oui, il faut méditer. Ça va, super. Bonsoir, Flocon Sugar, mais vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Un peu la tête cuisante, mais je ne tiens pas la gueule. Il faut faire attention, évidemment. Nous sommes le matin du 43e jour. À une semaine de la cinquième compétition. Cinquième et dernière compétition. Je me prends des petits chats sur la tête. Il veut pas descendre celui-là. Ah si, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les impacts, on s'en fout. Ça, c'est intéressant. Pas d'ingrédients de cosplay. Après, on est riche, on a toutes les potions qu'il nous faut. Donc bon. Que va-t-on faire? On va bien voir. On va essayer de faire toutes les petites potions qui me manquent. Évidemment, j'avais tout mis à faire. Donc, j'ai plus rien à faire jusqu'au lendemain. Du coup, j'avais fait mon gardening aussi. Normalement, ici, j'avais mis les potions. Ah, il m'en manque une. Qu'est-ce qu'il faut? Seeking Curse Radiation. Là, j'ai Curse Radiation, il me manque Seeking, c'est ça. Hein. Non, c'est pas ça. Ah bah, je dois l'avoir, être en train de la faire, je pense. Allez, voilà. Et il faut quoi comme qualité? Ok. Est-ce que j'étais en train d'en refaire une? Le truc qu'il m'a mis, c'est de compléter toutes les potions de bas niveau. Oui, c'est ce que je vais faire, je pense. Je suis en train d'en refaire une, d'accord, donc on va la garder. Mais du coup, je vais... Après, j'ai tous les decks. Je peux me faire un deck, j'ai toutes les cartes. Hein. J'ai tout débloqué. Tous les persos maximum. Après, ça me sert plus à grand chose, en fait, de vendre, donc... Alors, je vais remettre là-dedans. Il y en a qui se vendent... Je crois qu'il n'y a rien qui se vend bien en particulier aujourd'hui. Je vais mettre un peu ce que j'ai en... Voilà. Écoute, on y va.
On va aller se promener. Récupérer un peu tous. Alors, aventure. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ici? Il nous faut au moins de la vie. Il faut vie, vie, viens. Il faut de la mana. Shadow, ça peut être bien, mais surtout ça contre les ennemis très forts là. Il faut ça, c'est obligatoire. Et après, je crois que ça suffit en fait. Après, c'est du bonus quoi. On peut avoir ça là? Non. Si, tout à fait. On va lui mettre Insight. Plus de loot. Mais si, tolérance, non, parce que bon. Oh, j'avais pas vu qu'on en avait deux fois. Deux différentes classes, c'est bon. Voilà, on lui met tout. Hein. C'est l'insu du jeu. Est-ce que quelqu'un, à part qu'on fait des potions, a une explication très rapide? Eh bien, Flocon Soulière, je suis là pour ça. Il suffit de me demander. C'est pas le meilleur endroit pour t'expliquer ici, mais en gros, t'es une vendeuse. Voilà, une vendeuse. Et en fait, t'as hérité du magasin de potions de ton oncle, qui a disparu. Du coup, tu arrives dans cette nouvelle ville qui est magique. Enfin, il y a plein d'aventuriers magiques, des créatures magiques, des champignons magiques, tout ce que tu peux imaginer de magique. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre le magasin de ton oncle et tu vas te rendre compte qu'en fait, il avait d'énormes dettes. Et en fait, comme par hasard de circonstances, il y a des compétitions qui vont s'ouvrir, des compétitions de vendage de potions, de vente de potions. Merci tonton, voilà. De vente de potions. Et du coup, il va falloir que tu concoctes des potions spécifiques pour le concours. Du coup, entre chaque compétition, tu as 10 jours, et il y a 5 compétitions, et là, on va atteindre la 5e. Et du coup, tu as une partie où tu vas faire des potions à partir d'ingrédients. Donc, tu as différents ingrédients, tu vas les mettre dans ton dé, tu peux en avoir plusieurs, marmite, pour concocter des potions. Et après, les potions, tu vas les vendre. Soit tu peux les mettre dans un distributeur automatique qui fait les ventes à ta place, soit tu peux les vendre toi-même. Et du coup, pour négocier le prix avec les acheteurs, tu vas avoir un jeu de deck building dont tu débloques les cartes en améliorant tes relations sociales avec les autres personnages du jeu. Et du coup, tu as plusieurs parties. Tu as la partie où tu concoctes tes potions, tu as la partie où tu gères un peu ton magasin, tu mets les potions sur les étals. Tu as la partie où tu rencontres plein de gens, tu as des gens qui vendent des ingrédients, tu as des gens qui font des aventures. Là, je fais une aventure par exemple. Là, par exemple, j'ai un aventurier là qui est ici, qui s'appelle Cossack. Et je lui donne différentes potions que j'ai fait cuisiner moi-même. Comme ça, il pourra vaincre les monstres ici. Et en fait, en vainquant chaque monstre et chaque péril, il va ramener des ingrédients. Des ingrédients spéciaux pour les potions. Voilà. Donc ça peut être des ingrédients à mettre dans la marmite, ou ça peut mettre du combustible à mettre sous la marmite pour que ça aille plus vite. Et du coup là je lui donne plein de potions, donc des potions pour battre les ennemis, des potions pour passer des périls, comme ici, et des potions pour ramasser plus de loot. Voilà. Là il est à fond et je l'envoie. Là je teste ce qu'il va faire. C'est une sorte de petite simulation.
Voilà, et il peut tout faire, donc c'est bon. Et là, ça marque qu'il mettra 6 tours à le faire. En fait, la journée a plusieurs tours et il y a 2 tours la nuit. On ne le joue pas. Et du coup, si je l'envoie là, bah, il va mettre un certain temps. Voilà, on est le matin. Là, on ne voit plus. Je vais aller voir un autre personnage. Voilà. Là, on est tu vois, on est le matin. Il y a une petite flèche ici. Et du coup, tu as deux tours le matin, 2 tours l'après-midi et 2 tours le soir. Donc là, c'est les ingrédients que m'a ramené cette autre aventurière. Cette autre aventurière qui est ma petite amie, parce que tu peux aussi draguer les gens. Tu vois, ici, tu peux hangout, ça veut dire aller faire des activités. Et suivant le temps que ça te prend, et bah, ça te rapporte des petits cœurs. Ils sont tous BG, les persos, ouais. Il y en a un certain nombre. Bah, justement, à la fin. Si tu restes jusqu'à la fin du stream, à la fin, je ferai une tier list des persos. Mais ouais, ils sont assez cool. Celle-là, c'est la plus belle. Hein. C'est pour ça que c'est ma chérie. Tu peux aussi leur donner des cadeaux, ça améliore tes relations. Et en fait, une fois que tu as amélioré tes relations, tu vas pouvoir rank up. Ça prend un tour et ça débloque quelque chose. Soit une carte, soit une réduction sur les services que propose le personnage. C'est la même couleur de cheveux, c'est trop classe, Flocon Sugar. Je t'appellerai toujours Flocon Sugar même si tu m'as dit Flocon, c'est pas grave. J'espère que tu m'en voudras pas. Et elle a des habits trop classe aussi. J'aime beaucoup trop cette nuit. Non, c'est Saffron la plus belle. Bah écoute, j'ai qu'une seule opinion, cette jean. Du coup, elle aussi, on va l'emmener faire une aventure. Allez, je sais pas si j'aurai assez, si normalement ça devrait le faire. D'abord, tu vas falloir lui donner une potion comme ça. Là, on a ça, on a ça. Il va falloir la blanche là. La noire là. Hop là. Et là, on va lui mettre au moins une mana, une vie. Normalement, là, ça passe. Et après, on va lui rajouter du bonus pour ramasser plus d'autres. Tight. Il y avait une potion qui ramassait plus de trucs. Ah, je crois que j'ai tout donné à l'autre. Ah non, ça. Ramasser plus d'objets. Ça, c'est des rares magie mine, ok. Ouais, elle peut ramasser 44. On va lui mettre un peu de sous. Bon, voilà. Allez, ça ira bien. Bon, on embarque, hein, de toute façon, j'ai vu. Ouais, elle est partie. Donc, ça, c'était des personnages aventuriers. Il y a la troisième aventure qui est Mint. Je vais faire le tour des personnages pour qu'on comme ça tu verras un peu tout le monde. Voilà, Mint, qui est une aventurière de moins haut niveau, du coup je vais pas l'envoyer parce que bah, ça coûte des potions et de l'argent. Donc, voilà. Mais elle est plutôt sympathique. C'est la première aventurière que tu débloques. En fait, tu débloques les personnages au fur et à mesure du jeu. Entre chaque compétition, tu as 10 jours et entre ces 10 jours, bah, tu débloques plusieurs personnages. Là, on va aller voir la guilde des aventuriers. Donc là, on a le chef de guilde. Le chef de guilde, il peut aller chercher des loots, mais c'est plutôt un investissement sur ses aventures, tu vois. On lui dit, moi je voudrais ça, je mets tant d'argent, hop, je mets tant d'argent, et pendant qu'il va me récupérer tout ça, il va me récupérer d'autres choses en même temps. Voilà. Ensuite, on a les chats. Ils ont chacun leur petite musique, tu remarqueras. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Exactement. Et là, en fait, c'est un système de coffres mystères. Donc, en fait, moi, bon, je ne peux plus le faire, mais tu avais vu, il y avait 3 coffres à différents prix. Et dedans, tu as des ingrédients mystères. Voilà. Et du coup, je crois que tu as un ingrédient rare assuré sur le dernier. Sur le coffre le plus cher. Ici on a Roxane, l'enchanteresse, qui permet de faire des enchantements qui cachent qui améliorent ou cachent le goût des potions. En fait, t'as des ingrédients qui ont certains goûts spécifiques. Roxane Roxane qui me rappelle un épisode de Community, l'un des meilleurs, évidemment.
Regardez Community. Très bonne série. Et du coup, je disais, oui, elle fait des enchantements qui cachent les potions. Elle a des petites cornes, oui, c'est une démon. Elle le cachait au début, je crois. Et après, elle s'est dévoilée. Elle travaille aussi dans mon arrière-boutique. C'est là où elle vit. Elle a élu domicile un peu chez moi, dans ma boutique. Alors, ensuite, on a Luna. Luna. Coucou Luna. Voilà, elle, c'est le marketing. Du coup, elle améliore la vente de certaines potions. Donc là, elle dit, elle fait, si je prends cette campagne de marketing, elle fait que les potions de vie sont plus chères, donc elles se vendent mieux. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est comme animal anthropomorphe. Ça a l'air d'être une... Je sais pas comment on dit en français, c'est mof. Comme le Mothman. Ensuite, on a Saffron, la préférée de Sejin. Avec ses bois dans son chapeau. Elle vend des combustibles. Dans ma cave, oui, tout à fait. Un papillon de nuit, merci Flocon. Donc Saffron, elle vend des combustibles. Ah, je me fais attaquer. Loki shaming. Le feu, oui, le combustible pour le feu. Et aussi des améliorations pour la maison, donc on peut agrandir. On peut mettre plus de chaudron, plus de barils. Les barils, ça permet de faire vieillir tes potions pour qu'elles se vendent plus cher. Et plus de d'étagères pour vendre. Et les personnages ont toujours des expressions incroyables. Là, on les voit pas trop parce que je parle pas trop avec, mais dans les dialogues, ils ont toujours des... Moi, j'adore trop leurs petites expressions de visage. De tout leur corps, d'ailleurs. Ça, c'est Mouktouk. Mouktouk qui permet de faire des chaudrons et des barils, ainsi que des étagères de vente, voilà. Qui demandent de l'argent ou de l'argent et des ingrédients. Belle moustache. Et lui aussi, il porte des gants, enfin des moufles, et une grosse capuche, mais les torse poils. Il doit pas avoir froid du corps, mais un peu de la tête. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Et du coup, il peut aussi améliorer les chaudrons et les étagères. Quel beau morse. Ensuite, on a Queen. Queen qui est la vendeuse. Voilà, alors comment ça fonctionne en fait? Au début, elle n'a pas d'ingrédients. Des gants pour la forge peut-être. Peut-être, mais pourquoi la capuche? Au début, elle a plein d'ingrédients et en fait, on va lui donner les nouveaux ingrédients qu'on a eu par les aventures. Voilà, donc ça, c'est des ingrédients que j'ai eu par les aventures, donc je lui donne. Voilà, elle les mange. Et une fois qu'elle les a mangés, le lendemain, elle peut me les proposer à la vente. Voilà. Et du coup, ici, j'ai son magasin et je peux acheter tous les ingrédients que je veux. Et du coup, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait des promos, je sais plus si c'était sur quoi. On va aller voir. Non, non. C'est ça. Il y a des promos sur ces ingrédients, donc je vais en acheter. Je crois que je suis pas en manque d'ingrédients, donc ce sera juste du bonus, quoi. En même temps, j'ai pas beaucoup d'argent, en fait. Je remarque. Je vais regarder un peu ce qui me manque. Genre ça, j'en ai pas, mais c'est normal, parce que ça donne 4 ingrédients, ce qui est pas utile pour les potions. Ça, j'en ai beaucoup, beaucoup. Ça, j'en ai pas trop. Hop. Et le coffre, c'est un mimique, tout à fait. Elle a un coffre qui est un mimique. Ah, mais j'ai pas de ça. Je peux acheter. C'est bien ça. Voilà, j'ai plus d'argent. Oh, c'est... Elle a reblasé tout. Et voilà, j'ai fait le tour des personnages. On peut voir ici la carte de la ville avec tous les personnages qui sont placés. Et là, je vais rentrer à ma boutique. J'aime bien son chapeau, il est vivant. Je suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'il a des yeux. Voilà, donc là, c'est ma boutique. Donc là, j'ai toutes les parties différentes de ma boutique.
On a le magasin où on peut vendre nous-mêmes en utilisant les cartes. J'ai récupéré de l'argent parce que j'ai vendu des potions pendant que j'étais parti, grâce au distributeur automatique. Ici, là, c'est mes étagères, donc je peux placer les potions que j'ai à vendre. Ici, c'est le distributeur automatique, on voit qu'il y en a encore. Ici, c'est l'endroit où on peut concocter des potions. Bon, là, elles sont déjà en train de concocter. Mais en gros, allez, je ne peux pas les voir parce que j'ai pas accès aux ingrédients parce que toutes mes potions sont en train de concocter. Du coup, je te montrerai tout à l'heure. Ici, on a le deck builder. Le distributeur aussi, c'est un mimique, tout à fait. Donc ça, c'est toutes les cartes que j'ai pu débloquer en améliorant mes relations avec les personnages, en progressant dans l'histoire. Grâce à toutes ces cartes, je peux ici, bon c'est un peu derrière moi, mais me faire un deck. Et ce deck va me permettre de vendre plus facilement des potions et d'augmenter leur prix. Travel, c'est ce qu'on a fait, on a été voir les personnages. Jardinage, c'est ici des slimes. Et en fait, les slimes, tu leur donnes des petits ingrédients. Et après, il les démultiplie. Donc, tu lui donnes un ingrédient qui va démultiplier, ici c'est cet ingrédient-là, et tu lui donnes d'autres ingrédients pour le nourrir. Et ça augmente le nombre d'ingrédients qu'il va faire à partir de l'ingrédient de base. Ici, on a les requêtes spéciales des gens. Des fois, ils vont dire: Ah, je voudrais cette potion spéciale avec cette senteur spéciale, avec ce goût spécial. Et du coup, ça ici que ça va. Moi, j'aime pas trop ça, donc j'en fais jamais, à part quand tu finis la relation avec un personnage, quand tu es à fond. La dernière demande qu'il va faire, c'est une demande de potion spéciale. Et comme il n'y a pas de temps limite, bah voilà. Mais en général, il y a un temps limite qui est de 2-3 jours, c'est un peu chiant, je trouve. Customization, ça va être que tu peux placer ou déplacer les objets. Donc les étagères ici par exemple je peux les changer. Ça peut marcher aussi avec le parquet. Voilà, je peux mettre un parquet lune, un parquet sable, un parquet cuisine, parquet doré, c'est classe. Un parquet arctique. Moi je mets la bonne vieille moquette rouge. Je trouve ça classe. Là c'est pareil, j'ai différents. J'avoue que ça a de la gueule. J'avoue que ça a de la gueule. Différents papiers peints. Que c'est le seul qui bouge l'autre. L'autre il bouge pas, hein. Ça c'est un peu brique. Voilà, comme ça on est à Lille. Les trucs un peu modernes. Bien. Ah, la moquette rouge. Attention, ça c'est. Alors ça c'est un peu abîmé ici. Oh. Je crois que c'est ça le mur de base, le truc tout abîmé. J'ai l'impression qu'il est un peu abîmé là. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et j'ai le bas aussi que je peux changer. Donc je peux mettre du bois noir, du bois de différentes couleurs. J'avais mis celui-là. Celui-là, je sais pas. Non, ça s'appelle pas. C'est la différence avec celui-là. Ah, celui-là est abîmé, ok. Donc ça va être ça. Et ensuite, j'ai un autre endroit. Qui est le sous-sol. Voilà, c'est là où il y a Roxane. Ah, tu la vois pas, elle est derrière moi, mais là, c'est une petite Roxane en SD. Un peu comme moi, là, tu vois, je suis un peu déformé. Et c'est ici où j'ai des tonneaux qui permettent de faire vieillir les potions. Voilà, on a fait le tour. Je vais revenir en haut. Et il faut que j'attende le jour prochain pour pouvoir refaire des potions. Mais je peux peut-être en vendre. On va essayer de se faire un petit deck là, tranquillou bilou. Je sais pas trop ce que je me suis mis, donc on va tout enlever. Et on va essayer de se faire un deck. Un deck comme il faut. Alors, je pense que je vais partir là-dessus. Ça fait quoi ça?
Ça, c'est de la promo, ça. C'est pas mal non plus, ça augmente par 4. Ça, c'est pas mal. À crash. Ah, désolé, c'est Jean. Ça arrive, malheureusement. On va regarder les dernières cartes que j'ai débloquées. Ça, c'est pas mal, en vrai. Regarde un peu tout ce que j'ai. Ça, je t'en mets une. Attends, pourquoi je l'ai pas entendu? J'ai pas entendu le refait ça. Attendez, ça va pas, j'ai testé tout à l'heure. Il va se passer encore. J'ai des problèmes dans mes alertes. Voilà, je vais aller tripoter mes alertes. Don't worry, ça me fait pas mal. Trigger fire. Bon. Salut camarade! Ah voilà, là ça marche! Ouais, on voit. Pas entendu non plus, mais t'inquiète, je le refais. Refais ça et je t'en mets une! Ah bah voilà, là ça marche! Alors, du coup, j'étais en train de faire mes machins. Mes machineries. Est-ce que vous aussi. L'extension pour les pronoms disparaît, ça fait deux fois, j'arrive pas à la remettre. Ah, je l'utilise pas trop, je dois t'avouer. Surtout que je regarde le chat dans OBS directement, donc c'est pas plus facile pour mettre des add-ons. Ça, c'est bien ça. C'est vraiment le mieux en fait. Tous les mêmes non plus. Non, je veux voir ce que c'est. Non, je veux voir ce que c'est. Ah, je clique pas au bon endroit. Ouais. Il faut le finisher. C'est pas mal. Il faut du stress, tu vois. Ça c'est fou ça. Quand je regarde toutes les dernières cartes sont pas mal. Bon ça c'est pas mal. Ouais, ça coûte cher un peu. Finisher, c'est pareil. J'ai vu quoi peut-être comme finisher dans celui-là. Ouais, mais c'est difficile à placer celui-là. Ça, c'est pas mal. On
plus. Ouais, mais je les ai plus. Je sais plus ce que c'est très difficile. Qu'un pain d'offre intéresse. C'est 4 et ça double à chaque tour. Et c'était celui-là. Subliminal. À 10 et ça augmente de 5. Ouais, mais c'est plus cher. Alors que celui-là était moins cher. Le début. Pas ouf, celle de Sylvia. Merci. Ah, draw a card. Each time you play a card. Ah, mais un tour, c'est pas intéressant. Ça c'est juste du bonus, donc c'est très bien. Gain 3 shield ici, il m'intéresse. Ah, il me reste 2. Et il y a celui-là qui vaut 0, là, qui permet de... Je trouve que les cartes, pour terminer l'avance, c'est pas si utile quand on arrive à monter l'intérêt du client. Ouais, mais il faut y arriver, quoi. Après, j'en ai pris que 2, là. C'est pas énorme, 2 sur 20... choses qui permettent de piocher, genre ça. Et ça. D'ailleurs, il y a celle-là. Ça augmente l'intérêt de 5 et ça permet de piocher une carte en plus. C'est strictement mieux que ça qui permet juste de piocher une carte. Bon, on va essayer de faire avec ce deck. On va aller récupérer les potions que j'ai mis là et on va essayer de vendre des potions. Revenez les potions. Voilà. Par contre, 15 et 6, je crois que j'ai mieux que ça. Je crois que je m'étais racheté des étagères. Oui, genre ça. C'est juste mieux en fait.
Alors, du coup. Attends, on va en boire. Là, je peux pas en mettre plusieurs du même. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont. Ouais. Celle-là. Elle est verte. Quand c'est vert, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'elle vaut plus cher que d'habitude. Je crois que c'est parce qu'elle avait âgé. Oui, c'est ça. Je l'avais fait. Je l'avais fait mariner. Ouais, pour essayer de remplir. Hein, on n'est pas. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, ça va servir. Ça, ouais, aussi, hein, mais. En vrai, celle-là, là. Le Thunder, j'en ai rien à cirer. Dispo. C'est quoi ça? Mana, si, mana, ça peut servir. Après, j'en ai Rola. Ouais, j'en ai Rola. Attends, c'est laquelle la plus chère? C'est celle-là de loin. Voilà. Il a 6 potions à vendre. C'est pas beaucoup, mais écoute. Ça peut faire beaucoup, ça peut faire pratiquement 20 000 hein, si on vend bien. Hop, on va essayer. C'est parti. C'est parti. Mon kiki. En voiture Simone. Alors, c'est parti. Voyons voir. Est-ce qu'il y a un truc qui se joue de base? Non. On va vers ceci, 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 et passer au tour suivant. J'ai déjà pris du stress, super. Un grand plaisir, évidemment. Oh, vache. Ça, c'est bien. Il me reste encore un peu de patience. Là, c'est pas fou hein, ce que je fais là. Très honnêtement. Je peux pas jouer beaucoup de cartes. Ce qui est un peu frustrant. Voilà, là on a quelque chose. Ça, c'est bien. En fait, j'ai pas besoin de jouer ça. Je vais jouer celle-là. Voilà, et là. Je vais partir là-dessus. Rajouter un peu de. Ça coûte 2. Ça coûte. Ça peut me rapporter des cartes à 0 donc. Il n'y en avait pas. Là, il me reste 3 concrètement. Jouer ça, ça et terminer avec ça. 18, ça suffit pas à augmenter à fond, mais écoutez, on va faire ça. Et on est à 50%, on est à 65%, c'est très bien pour moi. Je suis bien contente. Alors, on va commencer par un actif petit, hop là. Ça c'est très bien pour commencer. Par contre, 11 boucliers et il abuse un peu le bonhomme. C'est bon, ça a disparu. Et 6% de. Deux. Ouais, c'est pas mal. Attends, on va faire ça. On va voir ce que ça nous coche. Ah, c'est très bien. Ça. Ça. Ça, c'est nul. On va attendre le prochain. Alors, le but, c'est bien sûr d'augmenter le prix au maximum. Alors. Là, on a plein de choses intéressantes. Là, je pense que là, on est vraiment bien parti sur cette vente-là. On peut jouer celle-là en boucle, là. Voilà.
Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça augmente mes... Ça améliore mes choses. Hop, allez, on pioche. On est encore large. On augmente la patience parce que... Hop. Encore. 25, bam. Voilà. Et là, on est à fond. Voilà, jackpot. C'est bien le, la carte qui permet de diminuer de 1 le prix au prochain tour. Ça me permet de jouer en boucle les cartes qui permettent de piocher les cartes de 0 ou de 1 et les cartes qui redonnent plus 5 à chaque fois. Celle-là, là, celle-là, impreuve. C'est un super bonus. D'ailleurs, bah voilà. J'ai joué celle-là, mais... Oh, super. Hop. Voilà. Hop. Voilà, et là, mes cartes vont coûter 2 de moins. Et je vais pouvoir en jouer beaucoup si j'ai au moins une carte qui permet de piocher. Ce jeu se moque de moi, du coup j'ai tout perdu parce qu'il n'y a aucune carte qui me permet de piocher quoi que ce soit. C'était nul, nul. Une main pourrie. Quelle horreur. Allez, on a quelque chose. Ouais. Pioche quelque chose. Non. Pas grand chose. Regarde ça, hein, mais. Non, là, ça va être la fin. C'est la fin. 45%, c'est pas terrible. En plus, j'ai gagné pas mal de stress. Je sais à combien on serait joué. T'as 10%, non? Non, je veux pas de commande. Laissez-moi tranquille. En plus, il voulait tous les trucs de la terre comme truc bonus. Ah, je suis à 10%. Alors, on va d'abord piocher. Ça, c'est bien. Ça. Voilà. Et là, on va espérer avoir au moins une carte qui permet de piocher, mais j'aurai pas beaucoup de patience, mais vu que j'aurai mes cartes réduites de 2, ça devrait aller. Voilà. Oui. Oui, très bien. Donc, je vais faire ça. 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 Et c'est tout ce que je peux me permettre. Très bien. ça va. Et c'est tout pour le moment. Il me reste encore des potions. Il me reste 2. Ah, par contre, du coup, on est riche. On va pouvoir aller s'acheter des trucs. Je suis bête, j'ai fait open shop au lieu de travel. Du coup, nous allons voir. Oui, pour acheter ces ingrédients. Hop, c'est parti. Donc, on avait des ingrédients qui étaient en promotion. C'était ici ? Non, 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 ici ? Non. Mais ils sont où ? Ah, ici. J'ai du mal. Hein. Alors, du coup. Tac. Hop là. Et là, on regarde. 4 magimines, ça m'intéresse pas. 3, j'en ai 16, ça m'intéresse pas. 4. J'en ai 13. Ça, j'en ai. Ça, j'en... ça il m'en faut plein. Ouais. Il faut que j'achète tout ce qui est possible. Ça, j'en ai 19. Ça, j'en ai 14. Ça va. Ça, j'en ai 10. Hop, voilà. Ça, j'en ai 11. C'est jamais, hein. Je suis riche, je peux faire ce que je veux. Ça. J'ai tout le stock.
ça, hop. Le dernier là, hop. Ah, ok, donc ça c'était ceux qui étaient en promo, maintenant on peut acheter ceux qui sont pas en promo. C'est-à-dire tout le reste. Ça m'intéresse pas. Il devrait faire un tri par nombre de Majimine à l'intérieur parce que. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. S'il y a plus de 3 Majimine, ça m'intéresse pas. Mais déjà il y a un tri. Avant, il n'y avait pas de tri. Je devais aller fouiller dans tous les trucs et il n'y avait pas ces filtres là. Il n'y avait pas le tri là. C'était la cata. C'était très compliqué d'acheter ce qu'on voulait. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Je sais plus quand ils ont fait la mise à jour. Mais... Là, ça aide énormément. On va pas se le cacher. 4, 5, 4. 4, 3. Oh, 2. C'est pas celui qui a le plus de... C'est le plus de Majimine, ça? 362? Ah oui, complètement. Plus que celui-là. Plus que mana conflagration. Intéressant. Non, ça m'intéresse pas. Ça va, oui. Ah non, ça oui, c'est nouveau. Je ne connaissais pas les crânes avec un soleil. Les Cyclops Skull, oui, bah ça apporte bien son nom. Alors, qu'avons-nous là? Ça, on va prendre quelques-unes. Ça, on en a 27. J'ai dû les démultiplier pour une raison ou une autre. Mais 27, ça va. On va pas en manquer. Ça m'intéresse pas. Ça, hop. Ok, la suite. 21, 16. Ça, on en a 10. Poussé. Là, on en a 9. En plus, c'est une seule couleur, ça peut être très utile. Là, on en a 0. Là, on en a que 5. Là, on en a quelques-uns, mais écoutez, ça coûte pas plus cher. Enfin, si, ça coûte plus cher, mais. Je veux dire, j'ai l'argent. Je suis riche. Alors, 19, non, hop, ça. Le violet et le bleu, c'est plutôt intéressant parce que c'est vraiment les couleurs qu'on a le moins et qui sont les plus difficiles à obtenir pour faire des potions. Ça non, ça oui. Je vais en acheter qu'un, d'accord. Ça va aller quelques-uns. Je vais prendre le... ça. Je vais prendre le jeté qui est en premier. Cliquer, j'ai pas réussi. Un échec. Alors, 7, c'est pas suffisant. Je vais en acheter qu'un par un, ça d'accord. Et ça, 9, allez. Plus c'est du violet, c'est intéressant. Du violet tout seul, doublement intéressant. Ça, j'en ai plein. Ça, très intéressant.
Ça, c'est plutôt pas mal. On va y arriver, hein, vous n'y allez pas. C'est un petit moment à passer. Tant que je vide la boutique. Je dévalise la boutique. Ça vraiment, j'arrive dans les trucs qui coûtent plus rien, donc je peux en acheter plein en boucle. Petit poulpe là. Et le pastèque salé, incroyable. Je suis pas sûr que j'aimerais ça. Sur les derniers, j'ai juste acheté ceux que j'ai moins de 10 parce que j'ai la flemme de tout prendre. Hein. Ça, j'ai moins de 10. Hop. Ça. Putain. Les couleurs qui m'intéressent, ça c'est le bleu, mais j'en ai plus que 10. Alors ça j'ai plus que 10, ça j'ai moins de 10, peut-être plus ça. Là. Et ça, 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 oui. Là. Là. Allez, plus que 3 pages. Je n'ai pas à cliquer à chaque fois sur un ingrédient pour sélectionner la quantité, ça va plus vite, mais... Là... 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 Dernier ingrédient. Et voilà, nous pouvons... Squalala, nous sommes partis. Il reste un jour. Allez, je... Ah non, elle est partie. Je voulais hang out avec Xid, mais elle est partie. Ce sera pour la prochaine fois. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire. Bon, je viens d'avoir prendre l'argent. Alors, on va retravel. Je vais acheter des combustibles pour aller plus vite, comme ça je pourrais faire plusieurs potions par jour. Ça va être beaucoup plus pratique. C'est quoi les plus chers? Ça c'est les plus chers. Allez. Ça plutôt cactus. Hop là, une journée bien remplie. Au revoir Saffron. Donc là je récupère un peu de mon stress pendant la nuit. Finito la journée. Finito la journée. Changeur. Plus que 6 jours avant la dernière compétition. On a fait un jour en une heure. Ah, mais il faut que je finisse aujourd'hui. Hein. J'y reste jusqu'à 2h du matin, s'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a intéressant? Les ingrédients coûtent moins cher. Bah, c'était déjà le cas. Il y en a qui sont plus chers. Ok. On va aller. Ah, j'ai plus de stress. Ça a été efficace cette nuit. On va collecter nos petits ingrédients. Ok, voyons voir. Ça, on en a pas beaucoup, mais c'est 4. Ça, on en a pas beaucoup, mais c'est
Ça, on n'en a pas beaucoup et c'est plus intéressant déjà. Ça, rien à cirer. Ça, rien à cirer. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, non. Donc, c'est parti. Voilà, j'en reprenne des comme ça. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas très intéressant. Je vais les donner ici. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas très intéressant. On va les donner ici. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas très intéressant. Donc, je vais les donner ici. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas intéressant. On fait de la bonne cuisine. On est bien content. Alors, du coup, on va regarder nos potions. Voilà, on va faire enfin des potions, Flocon. J'espère que tu es encore là. On va voir comment ça fonctionne. Donc, on va récupérer déjà celles qu'on a faites hier. Hop. Voilà, des potions extrêmement bien. Hein. C'est les meilleures qu'on puisse faire. Ah, tu es là. D'ailleurs. C'est toute une cuisine. Très bien, donc. Regardons nos potions. Donc là, c'est les différentes potions que l'on peut faire. Qui font différents effets. Bon, voilà, j'ai plus en mauvaise. Très bien. Donc là, ce que je vais faire, normalement, j'ai toutes les potions qu'il faut pour le concours. Il y a à peu près tout pour faire des aventures, mais bon, c'est plus très intéressant. Par contre, j'aimerais bien compléter. Par exemple, je vois qu'ici, il y a deux potions qui sont noires. Ça veut dire que je ne les ai pas faites. En fait, c'est des potions, elles sont par ordre de qualité. Donc moi, j'ai celle de plus haute qualité, parce que j'ai bourré à fond pour faire les meilleures possibles. Et j'ai pas fait celle qui était de faible qualité. Et c'est le cas pour toutes les potions-là, qui sont des potions plus difficiles à faire. Qui sont arrivées plus tard dans le jeu, et du coup, j'avais déjà des potions de niveau 3. Donc, on va aller commencer par ici. Donc ça, c'est une potion verte. On voit que ici la formule, tu la vois pas parce que c'est derrière ma tête, je vais déplacer un peu le chat, comme ça tu verras. C'est derrière le chat. Donc ici la formule de cette potion c'est un rouge, un violet, ok? Et en fait on voit ici que les ingrédients ont différentes couleurs de magimine, ils appellent ça. C'est un peu les sortes de vitamines magiques. Du coup, pour faire cette potion, il faut un équilibre parfait entre les magimines rouges et les magimines violets. Donc celle-là qui fait du bleu, par exemple, ça ne va pas m'intéresser. Heureusement, il y a des petits filtres ici. Je peux dire, hop, pas de vert, pas de... voilà. Et là, j'ai que du jaune et du violet. Ah non, mais justement, il ne faut pas que je les trie par maximum, parce que pour faire ça, okay, il faut celle le plus faible. Donc ça va être une mineure stamina potion. Il faut que ce soit 60 maximum. Donc là, ça va être vraiment de la potion très faible. Je vais regarder, genre je vais mettre... quel est le violet le plus faible que j'ai? On va aller ici. C'est ça. C'est 30 le violet le plus faible que j'ai. Ah mais quel cata. Quel cata. Non mais on va faire une potion pas cool. Une potion un peu nulasse. Pas où le cacher. Mais non, là j'ai... On faisait 33, c'est pas mal ça. Ah oui, mais c'est parce que c'est... Ah, il faut plus de violet que de rouge, sinon ça va pas. Là, je vais faire une potion très faible, donc c'est compliqué de... Ça va être 44 quoi. Voilà. J'avais pas eu qu'il y avait du jaune. C'est pas grave le jaune. Mais déjà c'était une commande quoi, juste avec ça. Oh.
Je sais pas si c'est possible de faire une potion si nulle. Est-ce que j'ai vraiment le pouvoir de faire ça? Faut vraiment que je mette du rouge très nul en fait. Genre. Du rouge très nul, mais assez pour que ça ressemble à une potion, quoi. C'est stable. Donc je peux faire cette potion. Ok. Là, j'ai mis un peu de rouge et un peu plus de violet. Et c'est stable, mais c'est pas fou. Elle pourrait gagner une étoile de plus, mais pas aller au tir d'après. Donc c'est bien, c'est ce qu'il me faut pour une potion nulle. Ce que je cherche à faire. Voilà. Donc après avoir sélectionné les ingrédients, on va sélectionner le combustible. On n'est pas obligé d'en mettre. Mais moi, je veux que ça aille plus vite parce que je vais en faire plusieurs par jour. Non, ça c'est trop fort. Il me faut du 3. 3, hop, du champignon. Voilà. Du coup, là, ça va mettre un tour à faire. Ok. Non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'ai 5 chaudrons, donc il va falloir que je remplisse tous mes chaudrons. C'est parti pour m'occuper du second chaudron. Alors, voyons voir. Équipement. Ça, c'était ce chaudron-là, donc on va prendre ce chaudron-là. Il faut que je sélectionne ma recette. Donc là, on était parfait pour faire celle-là en nul. On va essayer de faire celle-là, le truc d'au-dessus. Donc pas mineur, mais common. Hop là. On va reprendre la même formule, hein. On est parti sur du. On n'est pas dans le bon sens là. Hop. Faire de belles potions nulles, c'est pas si évident. Bah, surtout les ingrédients violets, par exemple, qui arrivent tout de suite dans des proportions importantes. Genre ça, c'est le plus faible que j'ai. Ok, et là on va faire, du coup on va mettre plus. Parce que si on met ça, par exemple, bah, tout de suite on a une commande. Voilà. Ah oui, il y a d'autres trucs aussi qui peuvent changer. Là c'est on a des propriétés du chaudron. Ici c'est le nombre maximum de magie mine qu'on peut mettre. Là on voit que j'ai mis 30 rouges, 30 violets, donc ça fait 60 en tout, qui est marqué ici. Et qu'au maximum, je peux atteindre un score de 900. Ici, c'est le nombre de bûches, enfin de combustible que je peux mettre. Ici, ça va déterminer la qualité de ma potion. Donc à 60, je suis en common. Si je dépasse les 150, je serai au tir du dessus. Bon, voilà, tir, hop. Ça, c'est le prix de vente, évidemment, la valeur de ma potion. Et ici, c'est le nombre d'ingrédients que j'ai mis. Sachant qu'à chaque fois que je mets deux ingrédients de plus, donc tous les multiples de 2, je fais une potion de plus. Donc si je fais 12 ingrédients par exemple, ça me fera 6 potions. Voilà, mais là je cherche à faire des potions nulles, donc c'est pas très important. Du coup, 5 c'est pas mal. Hop, voilà. Tac. Donc ça, c'est bon. On part là. On va sélectionner. Je vais partir dans l'ordre en fait. Hein. J'ai la flemme de réfléchir. On va faire la speed potion. On va faire la speed potion la plus nulle du monde. Donc c'est du bleu et du jaune. Speed potion la plus nulle du monde. Donc on enlève le rouge. On va faire jaune et bleu. On va mettre les ingrédients comme ça. Voilà. Alors on va essayer de prendre. On va essayer d'abord d'avoir du bleu. Ok, le bleu, on commence à 12. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de faire une potion. On prend ça. Un, deux, trois. Je peux avoir trois maximum, donc c'est bon. Ok, on est bien là-dessus. J'ai plus qu'à mettre. C'est pas le champi. C'est pas ça. C'est pas ça. Quoi qui fait 4 là-dedans? Ça, peut-être? Non, ça fait 5. Ça fait 4, ok. Allez! Voilà. Ça va. Alors, jaune et bleu. Ah oui, alors du coup, ça va pas être la plus faible, ça va être celle du dessus. Donc ça va être la common. C'est parti pour une common.
Tac, on va partir sur. Alors, la dernière fois, on était parti sur 30, ce qui est pas mal. Voilà. Là, c'est parfait, ça fera tac, tac, tac. Oui, ce sera bien. Allez, c'est très bien. Emballé, c'est pesé. On peut mettre du 6. Ça, c'est 6. Hop là, voilà. J'ai l'impression à chaque fois que c'est marqué Giscard. Mais non, c'est Discard. Rien à voir. Ce n'est pas un politique français. Très bien. Alors maintenant que tu as vu, je vais remettre le chat tweet où il était. Hop là. Du coup, j'ai mis mes potions, j'ai mis mon machin. Je vais peut-être en mettre à vendre au distributeur. Sachant que j'en ai récupéré pas mal, est-ce qu'il y en a qui se vendent mieux? Hop, on va les trier par prix. Donc celle-là, ça se vend très bien, mais. Ah, celui-là, il faut que je la garde. Hop. Celle-là, il faut que j'utilise. Voilà, ça, c'est mes potions de maître. Ce sera celle que je vais utiliser pendant le concours. Donc je les mets là. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas les vendre. Hop, celle-là, elle est moins bien. Voilà, on va vendre un peu tout ça. J'ai pas du tout fait de potions pour mes aventures, mais honnêtement, les aventures, j'en ai plus rien à faire. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que bah, j'ai. Sans là, je suis pauvre, donc je pourrais pas en faire. Pour en faire des aventures. Ce que je peux faire là, c'est récupérer. Ah si, je peux hang out avec. Pour montrer un peu comment ça faire. Mais non, je vais pas le faire. Je vais faire juste des potions de 1 qui prennent 1 de durée. Revenir, enfin voyager, revenir, faire de nouvelles potions, etc. Je vais faire ça en boucle. Ça va me prendre un peu la journée. Mais. C'est plus facile de faire des potions nulles quand même que de faire des potions bien. Parce que les potions bien, je mettais beaucoup plus de temps que ça à les faire. Parce qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients possibles, etc. etc. Là, j'en mettais juste 2-3, voilà, ça c'est fini. On est bien content. Hop, je vais aller donner à manger. Je fais ça comme si c'était un animal, mais non, pas du tout. C'est juste pour que elle améliore son stock. Je peux lui donner ça. Là, voilà. Ah, des gros anneaux, hein, je sais pas ce que c'est. On dirait qu'il y a une vitre à l'intérieur. Bizarre comme collier. Des cactus. On a fait notre petit tour, on rentre. Du coup, ça a dû vendre un certain nombre de potions tant que j'étais pas là. Voilà. Tac, on revient ici. Hop, on bataille tout le monde. Ok, donc on a bien fait ça, ça, ça. Ok, on va prendre celle-là de niveau 5. Alors, je sais plus si quel niveau 5. Ah, de toute façon, ce sera noir ici quand ce sera un truc que je ne peux pas faire. On est reparti dans cette histoire. Voyons voir. Toc, toc, ça on enlève. Niveau 5, ouais, on peut y aller à fond. On peut y aller à fond. Pas plus de bleu que ça. Un truc qui. Ah, il se passe que. Voilà, là c'est mieux. Voilà, alors je vais mettre ça. On va mettre celui-là. On va mettre celui-là. On est sur du grande. Jaune. Je sais pas combien il manque. On est à quoi? 176. Genre ça, c'est pas mal. Supérieur. Bah voilà, c'est très bien. 1, 2, 3 en plus. C'est bon, ça va tenir. Voilà. Donc on va faire ça. Par contre, 15. Ça va pas le faire, donc on va mettre ça et celui qui a 6, je crois que c'est celui-là, voilà.
Hop là. Donc ça c'est bon. Maintenant on va passer au rouge. Il faut que je fasse les 4 premiers niveaux. Ok, très bien. Donc bleu-violet. Ah, bleu-violet. Combinaison intéressante. C'est les magimines les plus difficiles à trouver. Et les plus faciles à équilibrer aussi. On va les mettre dans l'autre sens puisqu'on va essayer de faire la potion la plus nulle du monde. Donc ça va être ça et ça quoi. Alors je peux gagner une star en plus donc non. Ça va être ça. C'est unstable. Ça peut perdre. Bah c'est très bien. Ça va être ça. Je lui donner plusieurs trucs à trois. Voilà. C'était le plus nul. Donc maintenant on va faire celle du dessus. Donc c'est parti. On va passer. On va faire. Voilà, 32. 32 de chaque, très bien. 9. Ça j'en ai beaucoup. Et puis un petit ballot de paille. Voilà, donc là on a fait les deux premières, on va faire la troisième. Qualité. Maintenant on peut pousser hein, pour la troisième. Hop. On va essayer de trouver un truc pas très mal. Genre ça. On est déjà à la deuxième. Il faut plus de violet. Mettre ça. Là, on est à la troisième. Le choix peut en mettre un tout petit peu de bleu histoire d'équilibrer un peu la recette. Ouais, ça peut gagner. Ça peut gagner peut-être deux stars, donc c'est bon, c'est pas mal. Hop là. C'est combien? 5, c'est parfait. Très bien, très bien. On est bien là. Est-ce qu'il nous reste. Ah, bah non, mais je peux mettre. Là-dedans, je peux mettre les potions nulles que j'ai faites. Voilà. Sans les potions qui ne valent rien. Ne pas confondre avec Valérian, qui est un personnage de bande dessinée. Là, je peux leur renvoyer une aventure si je veux. Vu que j'ai récupéré de l'argent avec cette histoire. Alors, il nous faut ça et ça et ça. Ça et ça. Et j'ai plus d'eau si j'en ai. Ça marche déjà. Je vais mettre ça aussi. On est bien là. On est bien. Ah! Oh, il a tout perdu. Je me suis planté et évidemment, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ah, tac. J'avais dit quoi? Potion. C'est quoi le mieux? C'est la même chose quasiment. J'ai besoin de stamina ou pas besoin de stamina? Si j'ai besoin de stamina. Si c'est mieux ça. Tac, j'avais dit ça. Hein. On est à peu près là. Alors. C'est parti les aventures. C'est parti les aventures. Qu'est-ce que c'est les aventures? Qu'est-ce que c'est les histoires? Adventure Time, oui! J'aime beaucoup cette série. J'ai déjà fait la blague 50 fois, mais écoutez, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas.
On est parti sur quoi maintenant? Je crois que j'avais mis ça, 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 un peu de vie, un peu de mana. Voilà. Hein. Qu'est-ce que c'est les qu'est-ce que c'est? Merci Vivi d'avoir la réponse. Je pense pas que ça ait très bien vieilli par contre, pour le coup. Magnifique. Oui. Oui. Alors, c'est parti. Ça va, c'est ok. Ah, tu l'as revu récemment, d'accord. Ça fait très longtemps que je l'ai parlé, à peu près depuis sa sortie. On se récolte par la flûte nulle là, vraiment, oui, tout à fait, Flocon. Écoute, c'est pas de ma faute, hein, c'est au hasard. Voilà. C'est un peu la roulette russe, hein, cette récompense, donc voilà, vous avez ce que vous avez. Je peux rien explorer, c'est le cratère. On va mettre comme ça. Et on va prendre ce qui nous intéresse. Ça, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse. J'ai tout vu avant le Visiteur du Futur l'année dernière. Ah oui, d'accord. C'est un peu l'expandé d'univers vraiment expandu, quoi. Parce que ce n'est pas le même univers. Mais c'est les mêmes créateurs. Je comprends la démarche. Moi, j'avais également écouté le roman et lu les BD. Il y a un crossover? Ça me dit rien du tout. C'est quoi une BD, une pastille? Qu'est-ce que c'est les histoires du coup? Pour de vrai. What are we talking about? Ça. Un épisode spécial. Ah d'accord. Ça peut être rigolo. Pas de sérum, c'est nul. C'est normal. On n'a pas de sérum, c'est nul, c'est normal. Non mais on a besoin de rien en vrai. Si je sais ce que je vais faire, mais c'est vraiment pour la forme. Non, c'est pas ce que je vais faire. La réponse c'est l'amour. Ah d'accord. Voilà. C'est ici. Carpentry. Ding. Ah, je ne peux en faire qu'un. Très bien. J'en profite pour agrandir mon petit chewam. Petit chewam! Qui dit ça? Personne? Bah, je le dis, moi. J'ai vendu un peu de trucs. Du coup, on va retourner voir nos potions. On met en bouteille. Les histoires. Très bien. Alors, on en est où? Il nous manque le quatrième niveau d'ici. Donc, on va faire le quatrième niveau d'ici. Alors, pour ça, il faut des potions plutôt bien. Donc, on va directement taper dans le... Avec grid tolérance, on en est où? Gritter. Je ne sais plus c'est quoi Gritter. C'est le 4, hein? Non, c'est le 3. Ah oui, on voit la forme, ok, on voit la forme. En vrai, là, ouais, je sais, avec ces...
Ça va être le tiers de plus, mais pour la forme, je vais essayer de juste le mettre au niveau qu'il faut. Voilà. 1, 2, 3. Là, on est bien. On est bien. On est pile poil dans le bon. Donc maintenant, on va mettre des trucs très forts, genre ça, ça, et puis un 3, c'est ça. Hop là. Tac. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, ça, c'est bon. Ça va être ça. Ça en nul. Okay. Donc le rouge et vert. Rouge et bleu, pardon. Rouge et bleu. On va passer dans l'autre sens pour avoir les trucs les plus nuls. On va mettre du bleu obligatoire, ça va être le plus faible. Très bien. 12. Rouge, ça va être 12. Voilà. Voilà. Et là, on peut mettre ça, je pense. Non, même pas. Ça doit être ça. Pas du tout. C'est quoi les trucs nuls? Ça? Non, c'est encore trop bien pour ça. Non. Ah, ça. Ah oui, c'est le bois. Le bois. Ok, donc on a fait ceci. Donc maintenant, ça va être ceci. Ceci niveau 1. Donc, ok, c'est parti. On est sur du quoi? Du vert et du bleu. Vert et bleu. Le plus faible. Donc on va dire c'est pareil, le bleu en priorité. C'est qu'il faudrait que je pense à prendre. 1, 2, 3, ça va. Il faut que j'achète des ingrédients violets et bleus très nuls. Là j'ai un peu d'argent donc je vais le faire. Je crois que j'ai oublié de faire une autre potion. On est d'accord? On n'est que l'après-midi. J'ai oublié de faire une autre potion. On est tout à fait d'accord. Donc j'ai fait. Allez, ben on va faire le niveau 2. C'est parti. Du coup, niveau 2. Attends, c'est plus trié ça. Voilà. Niveau 2, c'est. On va prendre ça. Ça suffit pas. Alors, j'avais vu un autre ingrédient qui m'intéressait. C'était celui. Là. Là, on a 18. Si on je passe à 30, hein. C'est ce que je faisais, je crois. Je prenais 30. Donc, on va prendre 30. Voilà, on va essayer de faire 36. Là, on va faire plein. On va en faire plein des potions. Voilà. Voilà, ça fait 4 potions. C'est plus intéressant. Et en plus, ça va bien se vendre, je pense. Alors, il faut brou. Donc, on est parti là-dessus. Non, on va mettre le choupi. Voilà. Voilà, là, on est bien. Attends, je crois que j'ai oublié de récupérer mes. Non, c'est bon, j'ai fait le jardinage. On va voir. Est-ce que j'ai fait mon jardinage? Ah, celui-là est déjà prêt. Celui-là est déjà prêt. Il y en a qui sont déjà prêts. Et du coup, je vais faire ce qui m'intéressait. J'avais dit du bleu et du violet pas très cher. Ce sont individuels, donc ça. Mais ça, c'est pas. Non, en fait, c'est nul. Vraiment, je les achète en fait. Voilà, on les achète. Ça, j'en ai plus beaucoup. On va en refaire. Ça aussi. 32, c'est pas fou, mais. On va faire de ça. Hop. Hop. Ça te fera 150 pièces de plus, c'est toujours ça. Ça, c'est bien. J'ai donné au mauvais. J'avais pas vu que celui-là était pas fini. Bête des fois, écoutez. Ça sera plutôt pour l'autre. Bon, voilà. Ça irait bien si on fait 10 de chaque. Je vais remettre
Alors, tac. Normalement, je vais avoir des potions nulles, genre ça, ça. Ça, c'est pas fou. Ouais, c'est celle-là. En même temps, ça peut servir. Alors que ça, non. Du coup, on repart. On repart. Moi, je voulais aller acheter les ingrédients. Hop. On va regarder les ingrédients bleus, notamment, qui sont pas très chers. Donc, bleu. Voilà, que bleu. Ah, c'est ça le mieux, quoi. Il n'y a vraiment rien de moins que 12, quoi. Vraiment aux autres, j'imagine plus courant. Il y a vraiment du 4 et du 8. Là, c'est pareil, c'est 30, quoi. Il n'y a rien de moins que du 30. Mais regardons ça. 4 et 8. Ouais, bah vraiment, de toute façon, j'ai tout. Hein, donc, c'est pareil. Ça, le plus faible, c'est le vert, quoi. Bon. Bon. Ok, donc ça, c'est bon. Ça. Il me manque celle-là, le 1 et 4 du Shadow. Donc c'est parti. Le 1 et 4. Utiliser. Ça, c'est trop bien déjà. Ce que je peux faire de plus proche de ce qu'on me demande, donc voilà. Là, il faut faire le niveau 4. Niveau 4, c'est parti. Si c'était bien trié dans le sens là, niveau 4, alors on va se mettre quelque chose comme ça. Ta 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 ta. Donc là, il nous manque combien? 30? Comme ça? Ouais, du coup, on peut en mettre plus. On va partir sur ça, par exemple. Critter, c'est le troisième, je crois. Encore pousser. Pousser, madame. Ok, donc là il nous manque 50 piles. Donc on va. Voilà. Ouais, que plutôt je peux aller pousser des petits trucs. Hein. Ça c'est du 6. Ouais, mais il en manque encore. Des trucs, hein. Il manque un quart. Donc. Non, on est sur du bleu, hein. Non, on est sur du violet, pardon. Sur 8.
Voilà, là on est bien. On va pas essayer. Bonne nuit, c'est Jean, merci beaucoup d'être passé. Et puis un bas de paille, place par-ci. Donc on a fait ça, donc maintenant on va prendre ça et il faut faire les trois premiers. C'est parti, il nous faut du jaune, du violet. Donc on va prendre le minimum de violet, c'est 30. Et du jaune, on va prendre ça. Voilà. Voilà. Et du coup. Voilà. Alors il en reste encore un, hein, donc on va prendre la même chose au niveau 2. Du coup, niveau 2, c'est le minimum équilibré, quoi. Là, on va prendre. Ouais, pour aller à 30, on peut prendre ça. Voilà, là, on est bien. On va mettre ça. Très bien. Je vais aller remettre mes potions nulles à la vente. Hop, on s'en va. On revient. Je peux pas revenir. Il faut que j'aille voir quelqu'un obligatoirement. Ah, je ne peux pas refaire de la carpenterie, je crois. Voilà, on va rentrer. Plim 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 plim. Je pense que mon jardinage s'est bien passé. Ça c'est des trucs pas terribles, ça c'était bien ça. Non, les trucs que je sais pas combien ils vont faire ça, c'est pas mal non plus. C'est 4, c'est nul. Ça c'est 4, c'est nul. Ça j'en ai plein. Dans cette page, celui qui est intéressant. Ce qui sont intéressants, c'est celui-là et celui-là. C'est ça normalement. J'espère qu'il vaut mieux le donner ici. Voilà. Et celui-là, est-ce que j'en ai un qui fait plus de vert? Pas vraiment. Il va être équilibré à la limite. Ah mais attends, j'ai pas vu qu'il en restait un là. Du coup dans la poche suivante. Ça c'est intéressant. Ok, et maintenant on va mettre. Voilà, celui qui est mieux en violet, celle qui elle. Celui-là je crois. Hein. Celui-là. Voilà. Ce sera prêt demain. On est bien content. Alors. Ah, du coup, on vient de mettre à bout. Hein. Je suis plus. Excusez-moi, je. Mais pas du tout. C'est prêt. On est où? Il nous faut ça niveau 3. C'est parti pour le niveau 3. Je peux voir les trucs qui font ça le mieux. Ce serait quoi? Ce serait ça? Dégage-toi. Dégage-toi aussi. Il n'y en a pas qui donne plus de violet en fait. Ce qui est pas terrible. On va faire ça et mettre du violet. Là on est bien. Pas besoin de pousser le bouchon, hein, on va prendre ça. C'est quoi le truc qui donne 5? J'oublie. Hein. 3, 3 et 4.
4. Le but 5. Voilà. Ok, donc ça, on a fait tout. Maintenant, il faut faire ça niveau 5. Voilà, l'équilibrage est un peu plus compliqué. On a pas juste 2 Magimines, on en a 3. Et ils sont pas en quantité égale. Du coup, on a plus de vert. On va essayer de trouver quelque chose avec du vert en plus. Il n'y a pas trop. C'est ça qui est assez équilibré en vrai. C'est plutôt intéressant. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bah, j'ai envie de te dire, voilà, on va pas se prendre le chou. Hein. Allez, je pourrais en mettre juste un verre de plus pour la... Pour la fin, il manque combien en vrai? Je sais pas. Ça va pas rien. On va pas être loin de l'équilibre, mais j'avoue, j'ai la flemme. Donc on va se contenter. On va se contenter du contentin. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais ça. Voilà. Ah si, en fait, ça marche bien. Voilà, donc on était... Paf. En train de faire ça, je crois. Maintenant, il me manque ça. Donc le punul, c'est... Encore une histoire de truc compliqué, donc... Ok. Est-ce qu'il y en a qui fait les 3? Genre ça. Ah, il peut gagner un star, mais pas plus. Bah écoute, ça va être ça. Ça va être la potion la plus petite du monde. Non, il n'y a pas assez d'ingrédients. Il n'y a pas assez d'ingrédients. Bon. Alors. Il nous faut du quoi? Ah, il nous faut du bleu, donc on va prendre le bleu au milieu. Ok, ça va être ça. C'est quoi l'autre? Si je fais un de plus, c'est parfait, et après ça, ça va pas aller. Donc hop. Voilà. Okay, donc là, on est là. On va nous faire le quatrième maintenant. Donc, c'est parti, mais dans l'autre sens. Est-ce qu'il y en a un avec les 3? Oui. Même plusieurs. Genre ça. Ça, c'est pas mal. Je rajoute un peu de jaune pour la forme. Je sais pas combien il manquerait. On va tenter 44. Honnêtement. Allez hop. Emballer, c'est pesé. On va mettre. C'est quoi 5? Hop là. Et je crois que je suis presque à la nuit, donc on va en fait passer au jour suivant. Voilà, on a fait 2 jours. Il nous reste 5 jours. Il nous reste 5 jours. Pof, pof, pof. Les ingrédients plus chers, mais il n'y a pas de promo sur les ingrédients. J'ai vendu pas mal de choses. Hop, on va récupérer les potions. Ah, j'aurais dû récupérer les ingrédients avant. On va aller récupérer les ingrédients. Et en mettre de nouveau. Ingrédients. Parti, collecte, 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 collecte. Est-ce que j'ai pas beaucoup non plus? Ça. Le 9, ça va. Qu'est-ce que j'ai pas beaucoup ici? Ça. Voilà, ensuite on va dans l'autre sens. On se remet ici. Alors,
Qu'est-ce qui donne le plus de... Non, le jaune, c'est déjà parti. Ça, ça donne le plus de bleu. Donc. Hop. Là, on est pas mal. Ça donne plus de rouge de vert. Donc. Ah non, mais zut, c'est pas ça qu'il faut donner. Ça. On est bien. Ça, non, je peux pas les donner, ça. Ça, c'est bien, ça. Non, on est bien content. Ça. Ça aussi. Et ben voilà. On est bien content. On a mis nos petits slimes à germer. On va récupérer nos potions. Et on va voir ce qui nous manque encore. Alors ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, on passe au violet. Ouh, celle-là, on doit en faire plein. Donc, on passe à violet. Donc, niveau 1 d'abord. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut pas du tout ça. Il nous faut du rouge, du violet, du vert et du violet. Voilà, du rouge, du vert, du violet. Hop. Donc, le minimum qu'on peut avoir en... avec du violet, c'est 30. Ah, le complétionnisme, tout à fait. Bah, en même temps, j'ai pratiquement gagné, en fait. J'ai déjà fait les potions du concours au moins une semaine avant le concours. Donc, maintenant, c'est voilà, c'est du bonus que je fais. Et pour occuper le dernier stream, je complète toutes les potions. Voilà. C'est comme ça. Ok, donc maintenant on va faire du rouge et du vert. Est-ce qu'il y a un truc qui donne les deux? Ça va être un peu trop proche, je pense. Ça, c'est plus mieux. Donc ça et ça. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, ça va être trop bien, en fait. C'est pas possible. Je peux pas faire la potion de plus faible. Ah, avec ça. Avec ça. Avec ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on fait des potions nulles. Et il faut aussi le niveau 2. J'avais dit. Ouais, on va prendre un magasin de 30. Et là, on va mettre ce qui était à 12. Là, il était pas mal. Quand il est niveau 2, parce que j'avais presque atteint le niveau 2. 12 et 12, ça fait 24, donc c'est après. Ça. De 6 je crois. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. On est bien dedans. Donc où je rachète tous ces petits machins là. 8-7 c'est beaucoup trop cher. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à celle-là. Il faut faire 1, 2 et 5. Donc c'est parti pour 1. Il nous faut du rouge, du bleu, du violet. On va commencer par le violet. Ça. Il faut un peu de bleu maintenant. Non, j'ai fait ça. J'ai pas regardé. Ouais, ça va être... Un petit peu de bleu. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Je crois qu'il suffit d'un comme ça. Un peu de... Hop, c'est parti. Puis on fait la même, mais de niveau 2, je crois. Tout à fait. Alors, niveau 2... Je vais pas sélectionner. Hop. Ah,
On va faire sur du 30. Ça, il en faut moins, donc on peut partir sur du 20 ou sur du 24. On va faire du 24. Après, j'ai pas vu s'il y en avait. S'il y a du rouge. Ouais, non. On va prendre du rouge tout seul. Voilà, là on est bien. On peut en rajouter un pour la forme. Une potion de plus. Toujours un peu là. Même si maintenant j'en ai plus rien à faire, mais écoutez. Et voilà. Ouais. Ah, c'est pas de chance, c'est re le même. J'espère que je chante aussi bien. Oh non, encore! Ah ouais, désolé. Je ne contrôle pas le hasard. Très bien, hein. Repartons à l'aventure, mon cher Cossack. C'est parti. Alors, il nous faut ceci. Un peu de ça, un peu de ça, et un peu de ça. Ah, j'avais pas vu qu'il fallait... Sans bête, je l'ai pas. J'ai pas vu qu'il fallait un poison cure. Pas le truc avant. On peut faire ça sinon. Pas du tout. On peut faire ça. Pas du tout. J'ai pas du tout les potions qu'il faut pour le reste. J'ai préparé uniquement pour une chose. On peut shadow step. Ah non, j'ai du shadow, mais j'ai pas ça là. Pétrification, je sais pas où c'est utilisé sinon. Ici peut-être. Absolument pas. Ah, ici. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ça. Attends, je vais mettre un truc nul, genre ça. Je peux mettre ça. Et il me faut... J'ai pas de plus que ça. Ah si, non mais c'est bon, il a de la loot capacité, il en a pas mal quand même, donc c'est bon. C'est bon en fait. Voilà, vas-y. Je te fais confiance. Nice day. Exit the Bardic. Hero. Hero, plein d'ingrédients. Hop, on va aller voir notre ami Baptiste. Do 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 do
Et on peut encore lui donner des choses. Ah, c'est pas mal le arcade quoi. Miam 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 miam. C'est l'heure de manger. C'est très cher, c'est lequel qui m'a... C'est lequel qui est cher? C'est celui-là. Donc il faut tout sauf celui-là. Ok. Ça fout, ça s'en fout. Ça fait bien, j'en ai plein. Le reste, c'est de la merde. Tout ce qu'il me faut, en vrai, j'ai plus besoin de ça. Alors, je voulais améliorer, je voulais augmenter mon petit chez WAM. Et racheter un peu de fuel. Donc c'est parti. Dépenser, j'ai assez pour voilà. Du coup, je vais acheter des champignons. Ça va, il reste ça aussi. Voilà, finalement, de l'argent bien dépensé, et on rentre à la maison. Have a blessed day. C'est parti. Est-ce qu'on a du gardiennage? Je crois que ça ne s'appelle pas comme ça. Mais je m'en fous. Alors, est-ce que ça... Ça a 4, donc on s'en fout. Ça, on a 4 aussi. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a qui améliorent plus le jaune? Non, mais celui-là il améliore un peu tout, donc c'est parti. Voilà. Voilà. Ta 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 ta. Nous allons récupérer toutes nos petites potions. C'est parti. Où sommes-nous? Ça se fait. Ça se fait. Nous en sommes ici à niveau 5. Ok, 5 c'est assez élevé. Donc, on va prendre les meilleures magies mines possibles. Ça c'est pas mal, même si ça manque un peu de violet. On peut faire ça et ça déjà. Voilà, j'ai mis 3 ingrédients et c'est bon, la potion est faite. Ah non, je mets 4, mais... Voilà. 17 par contre. Voilà. Sûr. Alors, il faut faire tous les niveaux de celui-là. C'est parti. C'est ici. Du coup, niveau le plus faible. Pour un peu de violet. Un peu de bleu. C'était déjà common au what the fuck.
faut faire pour que ce soit pas en sable? What the fuck, les amis? Lucas, attends, du violet, le plus faible que j'ai, c'est 30. Après, c'est ça. Parce que si je mets directement ça, trop fort. Et ça, il faut un peu de bleu, mais... Ça, c'est trop instable. Et ça. Ça... Il y a possibilité que ça perde une étoile, mais... Juste une possibilité, quoi. Ça pas... Il y a trop de jaune ici. Faudrait moins de violet, mais c'est pas possible. Ah, c'est encore pire. Quoique non, c'est pas encore pire en vrai. Difficilement faire mieux que ça, donc on va tester ça et on va espérer que ça perde une étoile. C'est pas gagné en vrai. On va faire un sérieusement niveau 2. Pas plus en vrai. Voilà. Ah, ça c'est parfait. 1, 2, 3, 8, 6, c'est bon, ça passe. 6. Sinon, hop et hop. 3 ça? Non, pas du tout. C'est champignon 3. Yeah. Ok, donc maintenant il faut le faire. On est d'accord qu'il faut faire jusqu'à. Jusque 5. Donc on fait le troisième niveau. C'est après Common, donc ça doit être Gritter, je crois. Et là il manque genre un peu de jaune. Voilà, voilà, là on est bien là. Sans se prendre la tête. Ingrédients violets avec moins de valeur, mais c'est compliqué à trouver. Alors on va mettre les potions dans le distributeur. Les potions dans le distributeur, donc les moins chères. Et c'est tout. Que tout ça se vend. On est d'accord, oui. Tout ça se vend. Alors c'est reparti pour la promenade. Je vais essayer de trouver des ingrédients violets pas très chers ici, mais... Ah, mais si, je sais ce que je peux faire. Je peux acheter des ingrédients avec 4 trucs, mais bon, on va essayer. On va mettre violet. Les moins. Ça, je les ai déjà. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai déjà. Enfin, y a pas moins, quoi. Y a vraiment pas moins. C'est pas un ingrédient que j'aurais oublié. Je vais essayer d'acheter des comme ça qui sont pas très chers. Qui en ont 4, tu vois. Même celui-là qui a toutes les couleurs.
Je sais pas si ça va marcher en vrai. Ah, j'ai pas assez d'argent. Parce qu'on a du gardening qui est terminé. Ça j'en abuse. Donc faut vraiment que je le multiplie. Il n'y a pas de verre là-dedans, c'est nul. Là on a un peu mais pas beaucoup. Là il y en a pas énorme, là il y en a pas. Ça c'est intéressant, ça. Elle est bien vrai. Ah mais j'avais vu qu'il y avait l'autre aussi en champignon. Bah écoutez, ça m'en frappe là. Je suis très bien content. Très bien content d'avoir tous ces champignons. C'est bon les champignons. Les pâtes au cèpe. Les spaghettis au cèpe. Les petits raviolis. C'est un peu mental. C'est parti. Donc on en est où? Est-ce que ça avait réussi mon histoire? Oui, hein. Tout à fait. J'ai tout à fait réussi. Donc on est passé ici à niveau 4. Okay. Niveau 4. Là on peut y aller sur les ingrédients de pas mal, des grands, des très bien quoi. Alors ça. Voilà. Bah voilà. Mettons un petit bleu pour la route. Voilà. Ouais, on va faire une potion en plus. Très bien. 18. Voilà. Donc là on est. 4. D'accord que c'est 4 l'autre. Termine comment? Termine en pointe? Non, il termine pas en pointe. On y va. On refait la même. On refait basiquement la même. Hein. C'est quoi? C'est les petits crânes là. Celui dessus. Voilà, c'est celui-là. D'ailleurs, on remet des petits bleus. Un truc qu'on a beaucoup, genre celui-là. Là on est bien. On est bien. Du coup on va mettre tac tac. 4, c'est quoi qui fait 4 là-dedans? Ça fait 6, ça fait 6, ça fait 5, ça fait 3, ça fait 4. Oui. Mais non, j'anime. Donc là on a tout ça jusque là, donc on va aller ici, celui-là de niveau 1, c'est parti. Donc là on a du bleu, du rouge, du vert, c'est pareil niveau 1, ouais ça va le bleu et on a des trucs quand même. Donc on va prendre rouge et vert, qu'est-ce qu'il y a rouge là-dedans, ça c'est du rouge, 4 et 4, eh c'est bien ça, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, ils sont comme ça. Là on est sûr que c'est. On est sûr que c'est nul, ce qui est exactement ce qu'on souhaite. On a fait celui-là de niveau 1. Il faut faire celui-là de niveau 1 aussi. Donc on est sur le rouge. Rouge, jaune. Violet, n'est-ce pas? On va prendre quelque chose avec du violet pour commencer. Ça va être ça. Et du jaune. Est-ce que j'arrive à avoir un truc à peu près stable? Oui. Ok, très bien. Pour champignon. Et voilà. Et en rebolote, on va regarder notre distributeur. Et on se promène encore.
C'est parti. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, de niveau 2. C'est parti. Alors, niveau 2. On va commencer par là. On va partir sur du 30. Je pense que ça va. Du travail, encore du travail. Tu m'as surprise, Flocon. Encore du travail, n'est-il pas? Je peux faire ça et ça. On est pas mal comme ça. C'est pas grave, c'est fait pour aussi. Hein. Hop, hop, et hop. C'est combien ça? 4, ah, je l'oublie. Tac, je fais ça de niveau 2. J'ai fait ça de niveau 2, très bien. Donc ça de niveau 1 maintenant. Ta 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 ta. Alors, vert. Vert. Jaune, violet. Donc, on va prendre le violet. À niveau 1, il faut faire 1, n'oublions pas. Ça, c'est pas mal. Merci pour le clip. J'aurais regardé tout à l'heure. Jaune. Non. Jaune, jaune nul. C'est déjà un stable, ce qui est pas mal. Mais je peux en rajouter deux et que ce soit un stable? Non, pas du tout. Donc on va faire ça. Hop, petit bello. Enfin, c'est une bûche, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Jaune poussin. Poussin. Alors. Qu'est-ce qui reste? Ça niveau 2, je pense. Ça niveau 2. Pareil, on va prendre du violet. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que. On est bien situé sur le niveau 2. Je ne plante pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Pourquoi tu l'as dépris? Je voulais le prendre. Ça, niveau 2. Bonjour. Allez, toi. Le bouchon plus épais, je crois, celle-là. On peut essayer, genre, de mettre un vert pour la forme. Un vert. Voilà. 5. Comme ça, voilà. Alors, on a fait les deux premiers. Bah, c'est bon, maintenant il reste plus que celle-là. Allez, c'est parti. Vert, jaune, violet, bah, c'est la même chose. Pas dans les mêmes proportions. Donc, on va commencer par le violet. Tac. Tac. Ça. Et ceci. Ouais, c'est très bien. Jaune poussin. On va regarder notre gardeningue. Nous avons des choses prêtes. Alors. Ça, par exemple, j'en ai pas beaucoup. Ça, j'en ai pas beaucoup non plus. Hop, pas d'intense. Ça, ça marche bien. Ça, c'est pour le jaune plutôt. Ça, il n'y a pas de violet du tout.
Ça, il faut que je garde. Oui, j'en ai un qui multiplie, c'est bon. Ça, je m'en tape. Non, il y en a un. C'est le jaune qui en bénéficie. Ça, c'est pareil pour toi. Non, c'est le rouge qui en bénéficie. Ça, il n'y a pas de violet. Non, mais on va mettre. Violet, voilà. C'est quoi le truc qui est le plus. Bon, on va mettre ça, hein. On en a, c'est fait pour. Voilà. Voilà, beaucoup. On en a beaucoup. Plus d'ingrédients. Des ingrédients, encore des ingrédients. C'est bon, on a fait notre petite affaire. J'ai oublié de mettre. Voilà, et ben voilà, là il y a de la place maintenant. Tac, 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 tac. Du travail, encore du travail. Encore du travail. Et voilà, il n'y a plus de place. Hop, on se promène. On va voir les petits chats. Miaou, 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 miaou. Au revoir les petits chats. Ce fut rapide, ce fut court, aussi bref que court. Les petits chats, les petits cats. C'est 315, c'est ridicule. Alors. Là, j'ai mis ça, j'ai pas mis. Hop là. Alors, qui donne du vert? Toi, tu donnes du vert? Toi, tu donnes du vert? Oui, mais pas plus que l'autre. Toi, t'en donnes pas du tout. Toi, t'en donnes pas plus que l'autre. Toi, c'est bien. Toi, tu donnes autant de vert que d'autres choses. C'est bien. Voilà. Miaou, 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 miaou. Exactement. J'adore leur musique. Ben, ils ont une musique différente à chaque journée, à chaque moment de la journée. Un, deux, trois moments de la journée, trois musiques différentes. Enfin, ça, c'est à peu près la même, mais avec des tempos un peu différents. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ben, je crois qu'on est le soir, donc on va pas refaire. Ça va faire un, deux, trois, donc je peux faire que ça fasse que trois. Ok, que nous reste-t-il? Il nous reste ça de niveau 2 et de niveau 3. C'est parti! Alors, il nous faut du violet. Et voilà, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on a comme violet? On va prendre le minimum. Est-ce qu'il y en a avec une autre couleur? Genre ça, non, c'est pas terrible. Bon, ben, on va prendre... Ça, c'est bien ça. On va en mettre deux. Donc voilà, parce que j'ai envie. Et du coup, après, il nous manque surtout du jaune. Ah, quand même, on est déjà sur le truc de niveau 2. Ah oui, c'est juste niveau 2 en fait. J'abuse avec ça. Juste niveau 2 qu'il nous faut. Mais non, il n'y a pas de jaune, il y a juste du violet et du. Juste du violet et du vert. J'ai un peu pété les plombs. Du violet et du vert, du coup je peux juste mettre genre un peu de comme ça. Voilà, et puis là on est. Ah non, c'est un common. Mais non, c'est curse. Mais oui, il y a du jaune. Oui, il y a du jaune. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Tu vois rouge, dis donc. Oui, je pète un plomb un peu. Voilà, on est sur une common. Ok. Donc ça, c'est bon. J'avais dit 3, donc il suffit de... Voilà. Il y a la nuit. La nuit porte conseil. Donc, là, il faut faire le 3ème. C'est pas common, c'est greeter. Donc, on fait la même chose, mais en qualité greeter. Je vais t'en faire de toutes les couleurs. On peut pousser. Mais non. Ça me met une shadow, mais je vais pas faire ça, moi je vais faire ça. Il va me falloir plus de jaune et de vert. Est-ce qu'il y en a qui prend les deux comme ça? Plus le jaune déjà. On va plus pousser du jaune là, on est à combien? 32? Si je peux voir genre. Ça c'est pas mal.
Oh, si je peux avoir. Est-ce que je peux avoir 32 de jeu? Et après, je pousse avec ce lot qui fait 20-20 là. Là, là, on est bien là. Là, on est bien. Et c'est pareil, j'ai pas besoin de pousser très loin. Donc, c'est quoi celui qui donne le plus? Tu vois, il donne. Voilà, là, on est bien. Toc! Voilà. Et là, j'ai fait tout ce qu'il faut pour avoir toutes les potions. Donc, maintenant, je suis libre de faire ce que je veux. Alors, il me semble que pour aller chercher des ingrédients, il faut des potions. Il faudrait faire des cures de toutes les... Il faut du poison cure. C'est ça qui manquait là. Bon, c'est parti. Et là, on va faire la bonne potion, la bonne préparation. Là, on va faire... Je ne vais plus me limiter. Je ne vais plus me limiter. Donc, on part sur... du bleu, mais... partir là-dessus. Attends, on fait 1, 2, 3, 4 ingrédients. Enfin, 3, 4, on va dire 1, 1, 2, ça fait 4. On va prendre 900... divisé par 4, ça nous fait 225, ça fait 450, 225, 225. Donc on peut pousser. Il me reste, on s'en boucle un petit peu. 450, ça, voilà, c'est trop. Voilà. Maintenant c'est 225, 225 qu'il faut obtenir. Donc il va nous falloir du bleu. Ça. Voilà, là on est pas mal. Est-ce qu'on peut affiner encore? Peut-être. J'avais dit 450, 225, 225. Alors bon, 225 pour le bleu, ça va. Peut-être. Ça va être chaud, ça va être chaud, je vous cache pas. C'est quoi que je mettais? C'est du 64? Pas du tout, c'est du 76. 76. Je peux mettre... Ouais, on va pas faire égal, hein. On n'est pas des brutes non plus. Ça va pas du tout. ou 225. Ça va pas du tout. Je mets n'importe quoi. Non, on va plutôt faire comme ça. C'est à 66, mais ça peut être ce que je veux faire. Non, même pas, parce qu'il y a trop de... Il y a trop de paramètres différents. Si, 66, il est là. On n'avait point vu. Voilà. Du coup... Un petit coup de jaune. Pour essayer d'égaliser. Dans l'autre sens. On est à 218, ça veut dire 20. Et on a de la marge sur les trucs, donc on peut... donc en vrai, si je voulais égaliser, il faudrait faire 218 x 2. Ça nous fait 436. Ok. Ok, est-ce qu'on peut atteindre 436? Il manque 16, c'est possible. Peut-être même... Ça. Non, je vais être parfaite. Parfaite. Très content. 12 sur 13, voilà, on a le maximum de potions, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à
allumé. Je crois qu'il suffit d'avoir. On va passer la journée donc. Voilà, ça suffit. Tout à fait. Je vais regarder un peu ce qu'il me reste comme potion quand même. Genre mana, il me reste qu'une. Donc on va faire ça. Tout à fait. On va faire des mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Alors là, on peut pousser à fond. J'ai envie de te dire. Celui-là, il est pas mal, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a moins? Il manque 20 là, donc s'il y a un. Ça, pareil. C'est difficile de faire mieux, je dois bien l'avouer. Hop! Voilà. Et voilà! C'est fini pour aujourd'hui. Merci Flocon d'être passé, bonne soirée! Il reste plus que 4 jours! Commençons par un peu de jardinage. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup? Ça, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ça, j'en ai pas très beaucoup. Et ça, j'en ai pas très beaucoup. Ça, j'en ai pas beaucoup. Ça, j'en ai pas beaucoup non plus. Mais c'est intéressant. Hop, on repasse dans l'autre sens. Voilà. Alors, ça, ça se met dans du jaune. Ça, ça se met dans du bleu. Et voilà. Ça, ça se met nulle part. Ça, ça se met dans du jaune. Ça se met nulle part, ça se met nulle part, ça se met nulle part, ça, ça se met nulle part. Ça, je le garde, ça, je le garde. Ça, je m'en fous. Ça, je garde. Donc ça, ça se met partout, sauf dans le rouge. Donc c'est parti. Là, ça, on garde, ça, on garde. Faut que tout ça, on va garder. Hein. Ça, peut-être. Non. Caquette magimine là, peut-être qu'il me servira à rien. Non, après j'ai tout bouffé. Ah, ce que là peut-être, non, pas du tout. Au contraire, il est très intéressant. Non, bah écoutez, ça va être le bon vieux. Bah c'est bien, ça ira bien. On va récupérer nos petites potions. Normalement, on est pas mal. Normalement, on aurait même fait toutes les potions possibles. Oui, plus impressionnant à chaque potion. Eh. J'ai cuisiné toutes les potions possibles. On est bien content. On est bien, bien content.
Je réfléchis à ce qu'il nous fasse comme potion. Je vais regarder les potions que j'ai. Vie, ça va, j'en ai plein. Tolérance, j'en ai quelques-unes, ça va. Shadow, j'en ai pas énormément besoin. Radioactif, ça va être bien. On pourrait faire du radioactif. Alors, c'est quoi? C'est du violet et du jaune. Ok. Ça, je garde. Ça, j'en fous. Ça, c'est pas mal. Lisé par deux, qu'est-ce que ça en fait? Je suis à fond, bah très bien, bah, en faisant ça. Hein. Écoutez, moi ça me va. Voilà. Merci pour le raid, Atomic Breven. Bonsoir, Admiral. Bonsoir, Atomic Breven. Bonsoir, Morgan de Mongir. Bonsoir, Kurnagos V2. Bonsoir, Bluo 2800. Aouh! Nous sommes en train de faire des potions. Ce sont de Windows 2000. Tout à fait. Aouh, salut Mike The Hedgehog 06. Merci pour ton follow Ghost Miner, le mineur fantôme. Alors, du coup, j'étais en train d'aller faire une potion de pétrification. Voilà, il nous faut des ingrédients rouges, jaunes et violets. Je parle de Windows 2000, oui, tout à fait. Encore oui. Du travail. Encore du travail. Tout à fait. Encore du travail. Hop. Et là, il nous faut du jaune, du violet. Alors, on va essayer de prendre du violet. Là, on est pas mal. Ça, c'est bien, ça. Est-ce qu'il n'y a pas du violet tout seul? Celui-là, mais j'en ai qu'un, donc on va le garder. Celui-là, par contre, il est bien. On est à quoi? 900. 900 divisé par 4. Je l'ai fait tout à l'heure. Je sais plus. 225. 225, ça va être 225, 150, 225. Là, je suis pas encore à 225. Je peux pousser encore un peu. Ça, c'est trop. Voilà, on va s'arrêter à 198. Du coup, ça va être 198, 400, 198 à peu près. 200, 200, 400, 200. Ça m'intéresse. Windows 2000, best Windows ever. J'ai une préférence pour le 98, mais écoute. Les goûts et les couleurs. Peut-être demain. Bah, salut Ghost Miner. Moi je ne live pas demain. Je ne live que 2 jours par semaine parce que le reste du temps je travaille malheureusement. J'aimerais bien faire plus mais. C'est pas toujours possible. On passe une bonne soirée. Tac. Trop hein. En fait, c'est ça qu'il faut, voilà. Il faut passer à 400. 440, c'est trop. 4, voilà, ça, c'est bien. Et ensuite, il faut du rouge. Donc, je vais rajouter du rouge. Mais j'aime pas trop... Alors, là, 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 là. Moi, c'est pour la musique d'ouverture de session et de fermeture. Bon fin du live à tous et à toutes. Bien, merci beaucoup. J'aime pas trop Windows 10 depuis que je me suis retrouvé enfermé hors de mon PC après une mâche BIOS surprise. Enformé hors de son PC. Du coup, Linux Ubuntu en secours. Toujours avoir une petite, un petit stick USB avec un Linux dessus au cas où. On est à combien on a? Il manquerait plus que genre 8. Voilà. Et si je peux faire 4 et 4, on va le prendre. Voilà. Là, on est parfait. On est parfait. Merci pour ton follow, Mike the Hedgehog, Mike the Hedgehog 06. J'essaie de le lire en entier. Je sais que ça ne sert à rien. Hop, on va mettre un peu de. Hop, voilà, de combustible sous ma potion. Et là, on va se faire une belle potion de pétrification.
Alors, la suite, de quoi on va avoir besoin? Je sais plus si j'en ai des celles-là. Des cures secures. À moins que ce soit celles que j'étais en train de faire. Ici, pas du tout. Et j'en ai pas des assez bonnes. Donc, on va faire ça. J'en ai pas des assez bonnes de ça. Donc, on va en refaire. Alors, là, il nous faut du vert, du jaune et du violet. On est reparti. Violet, non, celui-là, il n'est pas assez. Il faudrait que je le multiplie, celui-là, d'ailleurs. On peut partir là-dessus. Et c'est pareil, ça va être 225, 225, 450. 462, c'est trop. On peut peut-être mettre... Du 22 à du 48, c'est pas fou. On va partir là-dessus. Ça va faire 209, c'est ça, 209. 209. Non, pas du 109, ce qui n'a rien à voir. Alors, trop. On est bien sur le jaune, mais on n'est pas bien sur le vert. Donc on va remettre un peu de vert. C'est parti. Il nous reste 4 ingrédients maximum. Il nous manque combien là? Il nous manque genre 12. 12, ça fait 6 et 6. Voilà. Perfecto. Perfecto. La reine de la cuisine et des mathématiques. Hop, hop, un petit ballot de paille et on est parti. Ok, alors est-ce qu'on a bien... Qu'est-ce qu'on a comme potion? Des mathématiques, tout à fait, c'est de l'arithmétique. Bah, des rétros, c'est un... Bah écoute, il faut bien ça pour faire des potions. Il faut maîtriser les mathématiques. On dirait des petits pamplemousses. Alors j'étais en train de faire deux potions. Il me reste des potions de vie, il me reste des potions de tolérance. Moi, ce que j'aime bien, c'est celles qui permettent d'avoir plus de loot, c'est ça. Retrieve more loot, ça c'est bon. Allez. Du rouge et du violet. On est parti là-dessus. Il faut égal égal, hein. On va pas se prendre la tête. On peut y aller avec ça. Ah, on est sur du 2000 ici, on est large. On va pas aller jusqu'à 2000, hein. On va aller jusqu'à voilà quelque chose comme ça. De toute façon, il serait pas d'accord le compteur. On peut essayer de pousser, avoir une portion parfaite. Il nous faut combien? Il nous manque 22. Est-ce qu'on a du 22? Voilà. Que demande le pape là? Alors, il y a quoi? Ça, on en a beaucoup. Parfait. Et un champignon. Et voilà. Et voilà. Mais je ne veux pas te faire apprendre des choses, Atomic Brion. C'est moi qui fais les mathématiques, vous me regardez les faire. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce que je fais. Ah, il n'y a plus rien à vendre. Alors on va revendre. On va vendre ces potions-là, cette potion-là, cette potion-là, cette potion-là, cette potion-là, cette potion-là, cette potion-là, cette potion-là. Hop, hop, celle-là aussi. Voilà, ça va me rapporter rien du tout parce qu'elles sont pas chères, mais... Ça va me débarrasser mes placards. On va se promener. On va faire un petit tour auprès de mes aventuriers. Je crois que de toute façon j'ai pas assez de potions pour les envoyer à l'aventure, donc on va pas les envoyer à l'aventure. On va juste récupérer les loots. Que sac nous envoie Xid, la barde. Ben, elle avait rien à me donner. On va aller voir Baptiste du Hall de Guild. Normalement, a des choses à me donner. Hop là, parfait. Hop, on va investir, mais pas trop, quoique non. Parce que j'ai pas énormément d'argent, donc je vais d'abord aller chez les chats. Allez, débloquer un petit cadeau. Un coffre surprise. Avec des ingrédients, j'ai pas assez. Eh bien, Je suis désappointé. Je vais quand même aller voir Queen pour voir si j'ai des ingrédients à lui donner.
Oui, tout à fait, je peux lui donner ceci. Très bien. Je vais voir si je peux lui acheter des ingrédients intéressants, mais a priori oui, parce que j'avais remarqué qu'il y en avait que je n'avais pas beaucoup. Ça, j'en ai 58, ça devrait faire. Ça m'intéresse pas. Ça non plus, ça non plus. Ça oui, mais j'en ai. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ça non plus. Bonne nuit, merci beaucoup. Morgan de Moon Girl. Morgan. Alors, c'est pas Morgan de Moon Girl, c'est pas un titre de noblesse, c'est Demon Girl, évidemment. Je le précise pour moi-même, parce que je suis bête comme. Je ne suis pas très malin. Ça, c'est bon. Ça, j'en ai plus. C'est quoi des trucs où j'en avais qu'un là et que ça m'a. Il m'en faudrait plus. Je le trouve plus. Je jure, il y a un ingrédient, j'en ai qu'un. C'est un crève-cœur. Ou alors je l'ai utilisé et. Utilisé ou alors je l'ai mis dans non je suis pas assez maligne pour l'avoir je suis pas assez maligne pour l'avoir utilisé dans mon jardin. Ah c'est celui-là, c'est bon, je l'ai. Voilà, c'est ça qu'il faut que j'achète et il faut que je le multiplie dans mon jardin obligatoirement. C'est aussi d'ailleurs intéressant. Là on n'est pas beaucoup mais on s'en fout. Là j'en ai plein. Ça j'en ai zéro. Ça doit être des nouveaux ingrédients que j'avais pas avant. Un peu mon portefeuille. On va dépenser nos sous sur cela. Voilà. Et ce sera bien. Avançons, avançons. Hop, on rentre à la maison. Vous restez à la fin, il y aura une tier list des persos du jeu. J'ai pas encore fini, il faut que je finisse ma. On est au jour 46, il faut que j'atteigne le niveau le jour 50, que je finisse la compétition, mais normalement c'est les doigts dans le nez. Hein. Et après, ce sera la fin du jeu, normalement. Si j'ai bien compris comment le jeu fonctionne. Ça se trouve, je suis bête. Très probable. J'ai récupéré mes potions. Je vais récupérer. Je vais voir si j'ai des trucs à récupérer ici. Absolument pas. Encore un tour. Potion. Alors, je vais voir ce que j'ai. Donc, mana et vie, c'est bon. Il me faut pétrification, curse. Ça, c'est quoi? Poison. Normalement, à la fin, je devrais avoir pétrification ici, curse ici, radioactivité ici. Après j'ai tolérance, ici j'en ai plusieurs, et c'est pas mal. Je vais refaire d'autres potions, genre celle-là que j'ai plus. C'est parti. J'ai la flemme en fait. Vous savez quoi, j'ai fini mes potions, j'ai fini tout ce que je voulais. J'ai sauvegardé. Et comme j'ai tout, on va passer les jours. On va juste passer les jours jusqu'à la fin. Ça, c'est mon cher oncle que transformé en hibou. Qui m'aide pour la compétition.
Il a l'air très inquiet. Enfin, mon personnage rêvait pendant que lui, il était en train de s'inquiéter pour la compétition. Il est très anxieux parce que c'est très proche la compétition. Sachant que le grand prix, c'est plein d'argent et évidemment, je le donnerai à la personne à qui il doit de l'argent. Ce sacré oncle qui m'a refilé sa dette. Il est très content d'avoir pu me connaître. Il a pu travailler avec moi. Oui, c'est vrai que il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi un ingrédient qui pourrait le retransformer en humain. Récupérer mes trucs. Ça va prendre la tête. Tranquillement à base de tranquillade. Tranquillement à base de tranquillade. Alors nous sommes. Je crois que j'avais une potion qui était en train de potionner. Hop, on la récupère. Pas du tout. On n'est plus rien. J'ai plus rien fait, voilà. J'avais la flamme, je crois. Mais c'est très bien, c'est pas grave, parce que hop, on est parti pour la suite. Nous allons. Notre compétiteur est Robin. Robin qui avant était juge de compétition, mais. Qui pour cette dernière compétition est mon adversaire. La fin est proche! Est-ce qu'on sera prête? Allez, on va essayer. Mes potions, elles sont prêtes, hein, elles sont dans le... Voilà, il n'y a plus qu'à. On se rapproche de la dernière compétition. Un jour avant la compétition. J'ai choisi le repos avant avant la compétition. Il ne faudrait pas se stresser. Hein. C'est le dernier jour, donc je vais sauver. Hop là. Et c'est parti! C'est parti! Demain c'est le grand jour, la victoire est à nous. Et quand on gagnera, on n'aura plus de dettes et lui il sera de nouveau humain, a priori. On est là-dedans ensemble. Il n'y a pas de demi-tour possible et il s'est caché. Ça, c'est mon adversaire avec son petit. Je me demande si. Il est bizarre ce petit dragon. Voilà, avec le petit dragon. Il dit qu'il a eu tort de proposer un forfait. Il est proposé à ce. Il proposait en fait de me donner tout l'argent. Et de récupérer uniquement l'ingrédient qui l'intéressait de la compétition et du coup de perdre contre lui et il m'aurait juste passé là. Enfin de déclarer forfait plus précisément. Et il dit que il a eu tort de faire ça et que en me combattant à la loyale sa victoire ne sera que plus glorieuse à moins qu'il perde évidemment. Je me demande si je pense vraiment que j'ai une chance demain. Et sur quoi je base ma confiance? Bien, je dis que j'ai bossé très dur et je me suis concentré sur le concoctage de potions. La concoction. Il rigole beaucoup. Il dit qu'on est à des niveaux complètement différents, donc il se croit supérieur à tout le monde. Et je dis que ça fait 4 compétitions que je gagne haut la main, alors peut-être qu'il ferait bien ne pas me sous-estimer.
dit qu'il a une carte secrète dans sa poche et que on ne verra pas ça venir. Et il dit que demain, il n'y a qu'une issue possible, c'est lui qui gagne. Et il dit qu'on devrait peut-être préparer ses affaires pour partir. Elle dit qu'il est juste en train de nous faire peur et qu'en fait tout va bien se passer. Et que notre cher oncle va redevenir humain demain, pour sûr. Et lui dit qu'il faut pas le faire pour lui, mais qu'il faut le faire pour nous-mêmes. C'est parti, compétition à nous! Je sais même pas au combien de stream on a, 8 ou 9 je crois. Et voilà, c'est le dernier. On va aller dans la compétition. Si encore 5 compétitions derrière, j'arrête. J'arrête le jeu. Alors, c'est le moment que nous attendions tous. C'est Baptiste qui parle, qui est sur son promontoire. Son stand là-haut. Il y a du monde quand même hein, pour observer une compétition où il y a deux personnes avec des petits trucs devant eux. Je sais pas comment ils voient, ils doivent avoir des jumelles, je sais pas. Alors, deux géants de l'industrie locale de maître de leur création. Mais seulement un pourrait être couronné vainqueur et gagner le Grand Prix. Rencontrons nos célébrités. Alors, sur le premier podium aujourd'hui, il a mis le mot King dans Potion Making, donc le mot roi dans la fabrication de potions, ce qui ne fonctionne pas comme jeu de mots en français. Il a survécu au pire de ce monde. Que ce monde pouvait lui lancer. Et il est ressorti avec un sourire sur son visage. Oh, ouais, son petit. Je crois que Baptiste l'aime beaucoup. Et il parle bien sûr de Robin. Et de l'autre côté, la femme qui en connaît un rayon ou deux à propos de l'adversité. Elle est arrivée uniquement avec quelques affaires et un rêve. Et en quelques semaines, elle a transformé la vieille boutique de son oncle en un grand magasin de potions. C'est Sylvia, c'est moi-même bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Monsieur Picked Early, I respect you a lot actually. Lizard gave me crypt. Non, je vais respecter mon adversaire. Et il n'a pas besoin d'être personnel. Désolé, gamine. Ils disent que vous ne devez jamais rencontrer vos idoles et tu vas comprendre bientôt pourquoi. Tant de suspense. Le suspense est à son comble. Et voilà, Baptiste est arrivé avec son micro fantastique. Et il pourra bien sûr plus facilement voir le concours. Et il considère que les deux participants sont ses plus proches amis, enfin font partie de ses plus proches amis. Et qui de mieux pour les séparer. J'aime beaucoup, beaucoup les expressions de visage dans ce jeu. Alors, faites du bruit! Faites du bruit! Je suis sûr qu'il prépare quelque chose avec son dragon. Un dragon qui s'appelle Mai. Aujourd'hui, je ne peux que dire que la bataille commence. C'est parti, round 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parce que moi, mes potions, elles sont prêtes, elles sont parfaites, il n'y a rien à dire. À moins qu'il ait fait des potions encore plus mieux que moi, mais... Il a fait une potion à 3800. Voyons voir. Il faut pas que je sélectionne la mauvaise, c'est celle-là. Ah, à 3800. Moi, ce que j'ai de mieux, c'est 2800. Il n'y a pas mieux que Masterwork. Il a fait mieux que Masterwork. Je peux pas me planter là. Je vais regarder mes cartes. En
fait, il me faut beaucoup de cartes qui peuvent piocher. Parce que c'est là-dessus que je vais faire mon beurre, en fait. Ah, mais je peux pas voir mes cartes. C'est assez frustrant, en fait. Non, bah, tant pis. Tant pis, on y va. Mais 3800 à atteindre, c'est compliqué. On va passer là-dessus, faire ça. Ah, mais 45 patience. Ça va, en fait, Baptiste. Ah oui, pas, enfin... Ça va, ça fait beaucoup, quand même. Il m'a infligé 13 de stress. Faut que j'atteigne 3800. Je suis même pas parti, mais heureusement, j'ai ça. Qui peut augmenter ma patience. On va faire ça. J'ai augmenté d'un niveau. Laissez-moi tranquille, laissez-moi augmenter. Je suis déjà à 15% de stress. Mais c'est mon adversaire qui m'envoie des pics et qui me fait stresser à mort. Eh, c'est compliqué. Ça, c'est pas mal. Mais je vais d'abord... On est assez large en vrai. Voilà, ça c'est bien. J'ai pioché le maximum de stress. Et utiliser ceci. Voilà. Ça c'était Master Move. Hop, hop, hop. Deuxième. On n'est pas fou, hein. Très allemandement, très compliqué cette histoire-là. Après, j'ai sauvegardé avant, donc. Ça, c'est hyper bien. Ça va pas me servir pour l'instant. Ça. Ah. Laisse-moi tranquille, toi. À chaque fois que je joue une carte, il ouvre sa bouche. Ah, on a 3510. Allez, il reste pas grand-chose. Et on est à 35 de patience. Non, bah c'est bon. C'est tranquille. C'est tranquille. On va y arriver. Bien. Hop là. Et 3780. Et on peut continuer. Il a beaucoup de patience. On peut continuer. Oh, 4050, on a gagné. Finalement, ça se passe plutôt bien. J'avais peur au début, mais finalement, on s'en est bien sorti. Mon deck est vraiment pas mal. Je l'ai fait un peu à la rage juste avant, mais écoutez. J'ai la meilleure passion. Oh, qui est derrière maintenant? Oh là là, Robin. Il dit, tu célèbres déjà, mais c'est une erreur de débutant. C'est le moment de te montrer toutes les erreurs que tu as faites. Oh là là, que préfère-t-il? Tu n'as pas à me remercier pour cette leçon. Je vais y prendre beaucoup de plaisir. Et on verra ce qui arrive au round 2, dit Baptiste. C'est parti. Alors, on pourrait voir la prochaine création de Robin. Évidemment, c'est une potion de toute beauté qui est meilleure que la mienne. Mais on va négocier. Ça fait aussi partie du truc. 3600. L'autre faisait 3800. Hein. Je veux dire, là, c'est moins. Alors... Où est mon... Voilà. Alors, c'est laquelle la mieux? Celle-là, 2000. Celle-là, 2600. C'est parti. Alors, un peu de négociation. Non, c'est parti. Non, j'utilise le même deck. Moi, je suis pas... Mon deck est très, très bien. Honnêtement, j'étais bien contente. On va commencer par... Hop là.
Oh, je peux faire ça. Déjà, on m'a augmenté pas mal. On va faire ceci. Ça, ça va me permettre de jouer ça gratuitement. On augmente encore. Évidemment, lui, il me déstabilise. Mais honnêtement, on est déjà à 3800 et j'ai même pas passé un tour. On est très bien. Et j'ai encore des boucliers, j'ai 5% de stress, tout va bien. Tout va bien. Une vraie partie de plaisir, j'ai envie de dire. Ah, il m'a affiché 20% de stress. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Non, ça va, on a le chorus qui va nous aider pas mal. Je vais d'abord piocher des cartes pour voir. On va faire 3 chorus, ce qui est pas fou, mais... Voilà, on est pratiquement à ce qu'il faut. Sachant que le chorus, à chaque fois, ça augmente de 5 points. Là, on a 15 points. Honnêtement, je suis sûr que si je le finis là, c'est bon. Oui, c'est bon, je peux faire ça. Voilà. Et voilà. Eh, mais ça veut dire... J'ai 2 potions sur 3, j'ai gagné. Nous avons une nouvelle championne et son nom est Sylvia. Je l'ai fait, j'ai gagné. Mais non, il est trop triste. Eh, ça se sent pas mal. Tu as fait ce que tu pouvais. Oh, je sais pourquoi il voulait la... Alors là, il rigole, mais je sais pourquoi il voulait la plante autant. Je suis sûr que son dragon, c'est quelqu'un, en fait. Parce que c'est la plante qui permet de retrouver forme humaine. Oh là là, son expression de machiavélisme. Robin, voilà. Ah mon dieu, mais que se passe-t-il? C'est son dragon. Tu penses que tu es surprise? Mais j'ai préparé ça depuis longtemps. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça finisse ici. Qui es-tu? Et qu'as-tu fait à Robin? Et tu n'as pas compris depuis le temps? Robin n'est qu'une marionnette. Une poupée qui m'a permis de vivre auprès de vous sans me faire découvrir. Je suis sûr que c'est la grande méchante, celle qui a transformé qui vivait dans son château maléfique et qui a transformé notre cher ami, notre cher oncle en hibou. Et en fait Robin, il avait été dans ce château et il en était revenu. A priori il n'en est pas revenu indemne puisqu'il avait trouvé ce petit dragon, mais non, ce n'était pas que ça. Je suis la plus puissante ici, la maîtresse de ces lieux. Je suis Maven, c'est ça. Maven, la reine. La reine sorcière. Mais tu es un lézard? Je savais pas que t'étais un lézard. Quel twist, dit Baptiste. Mais Baptiste, c'est pas le moment de... Accrochez-vous à vos sièges, tout le monde. Ou approchez-vous de la plus proche sortie. Tout le monde me pensait mort, mais j'ai survécu. Et le temps approche de mon glorieux retour. Je vais reprendre tout ce qui m'a été pris et commencer la restauration de ma forme véritable. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Une bande de héros complètement idiots. Ceux qui sont venus pour me détruire, ils ont bâclé le travail. Mais ils ont réussi à détruire tout mon laboratoire, à le faire exploser tout mon laboratoire dans le process. Et l'explosion résultante a irradié toute l'île. Et j'ai été changé comme ça. C'est pour ça qu'il y a plein de monstres partout. Mais chance pour moi, un garçon courageux était là. Mes pouvoirs sont limités dans mon état actuel, mais c'est suffisant pour prendre le contrôle de lui. J'ai pris son esprit, je me suis rendu maître de son esprit et je n'ai pas décroché, et personne n'a posé de questions à propos de l'histoire de ce garçon qui a triomphé de la méchante reine.
Et ils n'ont pas non plus vu, n'ont pas questionné non plus son petit animal de compagnie. Mais tu te cachais depuis tout ce temps, en pleine vue. Et que des preuves c'était. Avec Robin, le faire sourire tout le temps, et fraterniser pour amasser puissance. Et lentement, lentement, Baptiste, les aventuriers de Baptiste ont permis de me procurer un extrait de Mavenbloom. Peut-être la dernière de sa sorte. C'est la plante qui permet de retrouver forme humaine. Et quand j'ai eu une main dessus, quand j'aurai les mains dessus, quand j'aurai mon antidote, mon exil sera terminé. Et je ne te l'aurai plus tout cela. Tu réalises que... je comprends pas tout, mais... Oui, tu as été battu et du coup tu n'auras pas la Mavenbloom. Oui, c'est un problème, mais j'avais un plan de secours. Mais mes pouvoirs magiques n'étaient plus, ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais avec les années, tous les pouvoirs que j'ai pu amasser ont été dans ce cristal. Je crois que c'est de ça dont elle parle. Oui, elle montre avec sa queue. J'ai eu assez d'énergie pour changer le résultat de ce petit concours. Pour voir les choses à ma façon. Tu veux dire que c'est une illusion? Tu veux dire que j'ai perdu? Prépare à perdre. Prépare-toi à perdre. Dans un moment, ce sera la seule chose que tu as à l'esprit. Oh mince, je me suis fait avoir. À moins que... Depuis que je suis arrivé à Rafta, j'ai eu embûche après embûche. Et je suis toujours sorti gagnante. Je n'ai pas tous les pouvoirs magiques ou de gemmes mystiques. Mais changer l'esprit des gens, c'est ce que je fais au jour le jour. Elle parle de ses pouvoirs de négociation. Donc comment convaincre Maven de ne pas... de ne pas utiliser sa gemme contre moi. Je vais trouver. Je suppose que je ne peux pas gagner. Je n'ai pas la moindre chance. Puisque tu es une bonne à rien de tricheuse avec une mauvaise haleine. Je sais ce que tu essayes de faire, mais ça ne va pas marcher. Je ne vais pas être dissuadé avec tes petites piques, ni avec ton pathétique semblant de fairness, de fair play. Aucune surprise ici, je veux dire, t'as essayé de tricher depuis le début, n'est-ce pas? Sylvia ne montre aucun signe de rupture. Que quelqu'un m'apporte du popcorn, dit Baptiste. Tu as essayé de voler le Mavenbloom au hall de guilde. Tu as essayé de me convaincre au forfait. Quand tu as réalisé que tu ne pouvais pas acheter ou voler ce concours et me combattre aujourd'hui, tu es venu avec une carte magique pour te détrousser. C'est assez évident de tout ce qui se passe ici, Maven. Tu as peur de moi. Ah bah oui. Oh snap! Je pense que tu as peur de moi depuis la première compétition. Ce qui explique pourquoi... you've been dropping in on me? Tu utilises ton pouvoir contre moi, quelque chose comme ça? C'est absurde. Moi, avoir peur de toi? N'importe quoi. Je me suis... Ah oui, intéressé à toi. Je me suis intéressé à toi. De façon... Par curiosité. Morbide. Dans... Un peu déplacé, quoi. Mais t'as vu... Et la vue de ton petit... de ta petite boutique de rien du tout. Je peux pas croire que tu aies...
été aussi loin. Je pense que tu avais un secret ou des astuces. Mon seul secret, c'est le travail acharné. Oh, la petite musique sympathique. Et il y a des sorcières qui sont sur des balais. Et ma soif d'apprentissage. Je veux dire, bien sûr que ma petite boutique n'était rien au début. Mais c'était les origines humbles de mon histoire. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Tu peux voler le concours. Hard work! Mais tu ne peux pas prendre. Mais tu ne peux pas me prendre la victoire. Ah non, mais tu ne peux pas me prendre tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. Je ne pourrais pas, n'est-ce pas? Mais je suppose que. Je suppose que tu as un point, Sylvia. Te forcer au forfait, ce serait une fausse victoire. Je mérite mieux. Je mérite d'écraser mes ennemis. De laisser aucun doute sur ma supériorité. Bon, ok, on va le faire à ta façon. Je vais laisser ton esprit comme il est. Mais le reste de la bergerie rassemblée ici aujourd'hui, le reste du troupeau rassemblé ici aujourd'hui, je vais leur faire oublier ta victoire. Essayons ça une fois de plus. Ah non, je vais devoir refaire le concours. Et on va voir ce qui se passe au round 2. Ah, c'est mieux comme ça. Round 2. Non, ça va, je vais pas refaire le round 1, j'ai juste le round 2. Mais on a déjà fait le round 2. Tu sais quoi? Ok. C'est la façon dont tu le veux. Amène tout ça. Mais Rafta, donc la ville, on a tout encore pense que c'est son héros, etc., etc. Alors, c'est parti pour le round 2. Encore. On va y arriver. Oh, musique de boss. C'est complètement une musique de boss. Il y a les chœurs et tout. C'est épique. Alors, c'est parti. Voyons voir la nouvelle création. C'était 3600 ce qu'il avait proposé. 3600, bah oui, c'est toujours la même chose. Je peux... Si c'est la même chose, moi je peux le refaire, pas de soucis. Attends, non. Comment ça, 2060? Ah là là, 2650. Ouf. Le météore descend dans l'arène. Alors est-ce que je dois repenser ma stratégie? Non. Je peux le refaire. En plus, il avait un plus 5%. Ah, il est parti. Il m'a stressé, il m'a envoyé du stress de base. Ah, ouais, maintenant, c'est plus la tête de notre ami, c'est la tête du lion. Enfin, ouais. Tête du petit lézard. Alors, on va essayer ça. On a déjà amélioré. On va faire ceci. On va piocher plus de cartes. On va recaptiver. La prochaine carte coûte 2 de moins et ce sera le tour suivant. On est déjà à 2900. Ah ouais, le pourcentage de stress. Ça suffira pas. Merde, merde, merde. Merde, merde, merde. S'il me fait encore 30% de stress, là, ça va pas. Il va falloir... Si je perds, il va me falloir un deck anti-stress. J'ai trop de stress, je peux rien faire. Il me faudrait cette carte qui me...
Oh là là, 98% de stress, ça va pas du tout. Et j'ai pas du tout la carte que je pensais. Faut faire ça. Mais je pense pas que ça va suffire. Ça ne suffit pas. Il a gagné. Non, il a pas gagné. C'est un partout. La carte chat. Du coup, round de 3. Mais avec 98% de stress. Eh, il faut que je revoie mon... Il y a combien? 3750, ok. Qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est quoi mon... C'est lequel? Double... Ah, c'est celui-là. Honnêtement, honnêtement, la différence est que de 400 pièces. 200 pièces. C'est rien. C'est rien. Mais il faut que... Par contre, il va falloir que je fasse un deck anti-stress. Dégage. Alors, je clique trop vite. 1, 2, 1, 2, ok. Deck anti-stress. Donc, c'est parti. C'est Saffron là, anti-stress. Je crois. Non, c'est. Si, c'est ça. Tranquility, ça c'est obligatoire. Ça, ça suffira pas. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Stress by one, by two, ça sert pas. Ça, c'est bien. Par tranquillité, je vois pas quoi. Il faut que je pioche et que j'arrive à faire ça, mais pur quoi. Piocher, ça va être ça. 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 Ça, c'est pas mal. Ça permet de piocher et d'enlever les cartes qui m'intéressent pas. Et il faut que j'enlève mes debuffs aussi. Ah, ça, du shield, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Il faut quand même que je garde les cartes qui sont hyper bien. C'est elle qui les a. C'est ça. Chorus. Il faut que je garde du chorus. J'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Ça, c'est pas mal. Allez, une carte. Ça, c'est pas mal. Deux shields par turn, c'est pas mal. On va essayer. Il suffit de 200, c'est pas beaucoup, ça doit être quelques pourcents. Ah non, pas du tout, il m'a refait du stress. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Ok, très bien. Mulligan. Pioche des cartes. Ah non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je suis à 100% de stress. Et voilà. Et voilà, ça va pas du tout. Il a gagné. J'étais si proche. Regarde la vérité de fait, tu n'avais aucune chance. Oh, je ne pouvais pas payer ma dette et je vis dans une boîte. Allez. Allez. Ok. On va passer les dialogues.
Ah, j'aurais pas dû faire I respect you a lot actually, hein, c'était plus d'actualité. Mais là, j'ai fait un deck anti-stress, donc peut-être que ça va mieux se passer. Sachant qu'on n'est pas limité trop par la patience, parce qu'il en a vraiment énormément. C'est ce que je peux faire de mieux? Pas du tout, c'est ça que je peux faire de mieux. Bien mieux. Passe les dialogues, hein, on a déjà vu tout ça. Je suis prêt. Ah non, j'ai pas refait mon deck de stress. Évidemment, puisque je t'ai pas. Après, c'est pas grave pour le premier round en même temps. J'ai pas besoin d'enlever le stress au premier round. Faut juste que je refasse mon deck après. Même s'il va fort, hein, il va fort. J'ai deux fois chorus. Voilà. Ouais, je retrouve toutes mes cartes d'ultra quand c'est ça va être... Ça c'est bien. Ça va me donner du chorus. Hop. Ça me donne du chorus. Pas du tout. On est à combien de distance? Ouais, allez. J'avais mon bouclier quand même. Allez, le bouclier est là pour ça. Chorus. Normalement, si je fais encore du chorus, ça va le faire. Là on est bon, on est à 4050. KO! C'est parti! Round de 2. Cette fois je prépare mon deck en stress. Parce que ce round ça va, mais celui d'après ça va pas, il vaut mieux que je sois préparé à l'avance. C'est parti. Non, j'y aille doucement. Tac, tac, tac. J'ai plus un petit moins. Ouais, tac, tac, tac. On enlève les cartes. Ok. C'est ici pour la drogue? Alors, c'est des potions. Est-ce que ça peut être considéré comme de la drogue? Je ne sais pas. Je veux rien avouer. Alors ça, ça. Ça c'était bien, mais en fait j'ai pas besoin que ça. Les potions c'est de la drogue? Vous avez 4 secondes. Je ne répondrai pas à cette question. Pas en 4 secondes. Ça, c'est bien, ça fait des boucliers. Ça, c'est bien, ça fait. Ouais, mais j'y arrive à le jouer en fait. Ça qui fait 2 boucliers, c'est bien. Oui!
Je dirais tout dépend. Bonjour Daddy Corsac, je dirais tout dépend des composants. Salut Blue 2800. Il faudrait que j'ai ce qu'il faut. Pioche 3 cartes. Ça c'est bien. Mais... ça c'est bien aussi. Alors, j'avais dit ça, quand même, qu'il y a des trucs bien, genre ça. Ça. C'est pas mal en vrai. %, ça peut me faire gagner. On essaye. Bon, sur celle-là, ça ira. Je dis ça et je me tape tout de suite du stress. Juste que ça augmente pas trop en fait. Évidemment, 17 de plus. 73! Ah, j'ai ça heureusement. J'ai Tranquility qui est un peu la carte maîtresse. Mais c'est pas assez. Ça me fait que 10%. Et j'ai pas de bouclier. J'ai pas de bouclier. Ça, c'est terrible. J'étais à 73, il me monte à plus de 73. 83. Ah, Mulligan. Oh, heureusement. Ok. Ça. Ça, putain, le bouclier de l'ennemi, hein. Ça. J'en ai que un, ça va pas du tout. Bon, 800, ça fait que 10%, ça va pas du tout. Je suis à 80%, mais j'ai 3 boucliers, ce qui est pas mal. Bonjour ma Roxane. Tu vois, ça va peut-être... elle est bizarre cette match de Yu-Gi-Oh, ouais, hein, n'est-ce pas hein. Ça, c'est bien, ça. Piocher plus de cartes. Piocher plus de cartes. Là, on est pas mal, hein. Si je peux avoir... en fait, ce que j'aime bien, c'est avoir la carte de mon ami. Là, je peux essayer de faire mulligan, quoi. Là, je pense que je vais gagner hein, si je fais ça. Pas tout à fait. Mais avec ça, c'est tranquille. Par contre, dur les 83% quoi. Après, la dernière fois, j'ai commencé, j'avais 98% sur le troisième round. 98. Peut-être que je peux m'en sortir. Ah mais j'ai regagné. Ah mais il a repéré. Ah d'accord, très bon, en fait j'ai gagné. J'ai regagné. Pourquoi j'ai fait que deux rounds là? Très bizarre, j'ai pas eu la reconfrontation et le deuxième second round. Tu as gagné aujourd'hui Sylvia, mais tu ferais mieux de faire attention hein, à tes arrières. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Je suis à peu près sûr que j'ai sauvé Rafta. T'as gagné 2 rounds sur 3. Oui, mais la première fois, j'ai gagné 2 rounds sur 3. Et il a revenu... il a fait le... Maven a fait tout oublier à tout le monde. Et j'ai dû refaire le deuxième round. J'ai pas réussi.
Et du coup, j'ai fait le troisième round. Mais là, j'ai fait juste un round. J'ai fait round 1, round 2. Alors qu'avant, j'avais fait round 1, round 2, round 2, round 3. Non? Ou alors, j'ai loupé quelque chose. J'ai sauvé tout le monde! J'ai gagné! Je suis riche! Enfin, non, je suis pas riche en fait, parce qu'il y a Hélène qui va venir et qui va prendre 500 000. Victoire! Et après, c'est le round-up. Je finis la petite histoire et après, je vais faire la tier list des persos. Si vous êtes encore là. Parce que s'il y a personne dans le chat, c'est pas très intéressant de faire une tier list, je trouve. C'était pas facile, mais on a réussi. C'est assez évident que tu es la vraie gagnante. T'es incroyable, Sylvia. Tout ce que j'ai su faire, dit Oswald, c'était de savoir quand m'écarter de ton chemin. Si tu le dis, je suis contente que je n'avais pas à le faire toute seule. Ça signifie beaucoup pour moi d'avoir mon oncle à mes côtés. Bonne nuit, Poulpi! Eh bien, tu ne verras pas la tier list du coup. Es-tu prêt à redevenir humain? J'ai fini la potion. Et voici évidemment Hélène. Je n'ai pas pu être là pour la compétition, mais j'ai entendu parler de ce qui est arrivé. Enfin, du résultat, on va dire. On dirait bien que tu as accompli tout ce que tu voulais. Je te félicite. Et tu me dois le reste de l'argent. Bonne nuit, vie. Bah oui, mais du coup, je vais pas faire de tier list s'il n'y a plus personne. Vous étiez les seuls à discuter encore. Je ne sais pas quand je la ferai. Peut-être lors du prochain jeu. Dépenser tout cet argent sur des ramen aurait été plus satisfaisant. Excellent! Maintenant, comme le disait notre arrangement. Tu es libéré de ce contrat. La propriété est payée. Le début du prochain stream, d'accord. Bah du prochain stream solo du coup. Je vais pas imposer ça à quelqu'un d'autre. Du coup ce sera pour le 12. Je crois que ça c'est jeudi. Non, c'est dimanche 12, je sais plus. Il y a le vote du prochain jeu. Je sais pas si t'as vu. Je pense que oui. Je pense que t'as voté. T'as voté pour quoi? Quel est le jeu que tu voulais? Il y avait Eastshade. C'était sur mon Twitter. Eastshade. Showrunner. After the Storm. Et le dernier, c'était... je sais plus. Oui, j'ai voté. Le dernier, c'était... Pour la peinture. Ah, Eastshade. Ah, c'est mon petit préféré aussi, mais personne n'aime ça, je crois. Ah, Yamafuda aussi. Le dernier, c'est Yamafuda. C'est le deck building de randonnée. Et mon affaire ici n'est pas terminée. N'est-ce pas, Oswald? Tu savais? Enfin, vous saviez plutôt, parce qu'on voilà. On va vous voyez la créancière. Ça ne m'était pas venu en tête jusqu'à ce que je vois... un hibou faire de la paperasse au bureau. Un hibou qui ne pouvait pas s'empêcher de féliciter Sylvia pour ses progrès. Tu as presque failli t'en sortir cette fois-ci. Il s'en est sorti cette fois-ci. On a déjà payé ce qu'on vous devait. Néanmoins, Oswald a violé les termes du contrat. Il y a des conséquences à cela. Des conséquences sévères. Si vous vous souvenez du contrat. Oh, bon sang. Ça, n'est-ce pas? C'est la fin. C'est la fin. Je vous donne un moment de vous dire au revoir. Il va aller en prison, je crois. Tu ne peux pas juste... Sylvia. Laisse tomber. Je ne veux pas te mettre en danger pour moi. Pas encore. Je suis très fier de toi. Tu as accompli d'incroyables choses.
Oh, je vais accomplir d'incroyables choses, regarde-moi. Hélène, faisons un marché. Je t'écoute. Tu es certaine de tes habiletés. Mais Oswald t'a trompé. Il s'est caché juste sous ton nez. Mes habiletés ne sont pas en erreur. La transmogrification a distordu l'apparence des choses. Et de ça, de son âme. Et qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'autre de faire de même? Quand les mots sortent de ça, ils vont sortir. Crois-moi, je ne comprends pas tout à fait cette phrase. Et toutes les personnes qui vont te devoir quelque chose. Ah, vont embrasser leur côté sauvage, ils vont se transformer en animaux en fait. Je sens un mais venir. Ah, c'est bien me connaître. Aha! Je viens juste de finir de faire une potion. Le seul et unique antidote à la transmogrification. Et quand cette potion disparaîtra, elle disparaîtra à tout jamais. Et c'est peut-être la seule manière que tu peux d'assurer que personne d'autre ne sorte de tes griffes, ne puisse échapper de tes griffes. Et cette potion peut être à toi, pour un prix. Pas encore négocié. Je pense que tu... Je sais quel prix tu demandes. Mais je suis d'humeur à marchander. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cartes que je ne connais pas. Lui donner un argument convaincant. Les temps sont difficiles. C'est plus d'arguments convaincants. Voilà, c'est facile. Et un dernier argument convaincant. Et tu n'auras plus l'opportunité d'avoir cette potion à jamais. Très bien, Sylvia. Tu as un deal. Qu'est-ce que ça fait quelques semaines de différence? Tes talents sont indéniables. Ah, c'était un... Je pense que tu as été un peu facilement avec moi. Absolument pas. Je t'aime bien, Sylvia. Mais ne laisse pas les sentiments envahir tes... une décision d'affaires. Exécuter le contrat est bon pour le pour les affaires, mais avoir en main cette potion est meilleur pour les affaires. C'est simple que ça. Brutal, mais je comprends. Et c'est un monde brutal. Du coup, on verra jamais la tête qu'il a, Oswald. Est-ce qu'on peut pas... Elle a pris la seule potion qui peut le transmogrifier en humain. Tu t'en sors bien. Et je peux suggérer humblement, dans le futur, tu pourras te trouver dans un besoin d'argent. Et ce jour-là, appelle-moi. Je garderai un contrat sous la main, juste au cas où. Elle est partie! Elle est vraiment partie! Sylvia, tu m'as sauvé! Je te dois 2 fois plus maintenant. Je pense que tu commences. Je commence à penser que tu aimes bien avoir des dettes. Mais tu dois être déçu qu'elle a pris l'antidote avec elle. Oh, j'apprendrai à vivre avec. C'est de toute façon un bien meilleur sort que ce que Hélène avait dans les placards. Donc tu ne veux pas le. Antidote parce que j'ai un antidote de plus. Et ça pourrait être pire. J'aurais pu. J'ai pris les plumes à la place des tailles et. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mis fait 2 potions. Je me suis dit que. Ça pourrait être utile si j'en vendais une à ma veine à tout hasard. Elle est juste là. Elle est embouteillée juste pour toi. C'est petit, mais ça devrait être
dosé à la perfection, vu ta taille. Et je peux te garantir que ça ne sent pas le vieux, que ça n'a pas le goût du vieux chou. Mais tu... Je ne mérite pas ça, Sylvia. Je ne mérite pas. Oh, s'il te plaît. Je ne te pensais pas que j'allais te laisser... Il rougit sur sa moustache. Te laisser comme ça. Je t'en fous de ce que je pense, nièce. Tu as pris comme habitude de surpasser toutes mes espérances. J'aurais jamais pu faire tout ça sans toi. On forme une belle équipe. Et maintenant, on va rester ensemble, n'est-ce pas? Serrons-nous la main à ça. Enfin, dès que j'aurai une main. Ça veut dire que tu es prêt à être détransmogrifié? Prêt comme jamais. Allons-y. Alors, à quoi il ressemble, ce bonhomme? Oui. Allez. S'il a une moustache et tout. What the fuck? Il y a des effets secondaires plutôt intéressants. Ça pourrait prendre un moment. Quoi? On n'aura pas la réponse, on ne saura pas à quoi il ressemble. Chère maman et papa, tout se passe bien ici, Rafta. On le voit, il est derrière là. Et il est classe en fait. Histoire drôle. Oswald n'est pas mort. Même si j'ai failli le tuer un peu avec une de mes potions, mais pas volontairement. Dans toute cette confusion, j'ai hérité de son magasin quand même. Il a pas l'air de m'en vouloir. On va travailler ensemble. J'ai hâte que vous voyez tout ce que j'ai accompli. Tout mon amour, Sylvia. Ouais, je suis très satisfaite qu'on voit quand même une partie de Oswald. Petit dessin! Et c'est la fin! C'est la fin! J'ai gagné! J'ai réussi à finir le jeu! C'est véritablement le dernier stream. Alors, je dis véritablement, mais en fait, il va y avoir la tier list au prochain stream. Le 12, je crois. Là, c'est là où j'aide tout le monde. Et Saffron à refaire son toit. Ou elle m'aide à me refaire mon toit. Je crois qu'elle m'aide à me refaire mon toit. On fait du shopping avec Roxane. On mange avec toute la famille de Luna. Elle a une longue famille. On fait de la guitare avec Xid, évidemment. On fait du bateau avec les petits chats. On découvre un caca arc-en-ciel avec Cossack. On fait des potions avec Oswald. Et j'apprends la magie. En faisant du thé. Et Queen vend des trucs. Du jus de slime. Et je dors sur un balai. Tout en haut de la ville. Merci d'avoir joué. Nous espérons vous revoir bientôt. Voici un jeu. Incroyable. Bien rentabilisé. Alors c'est parti pour la fin de stream. Ting 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 ting. Retrouvez-moi dimanche 5 mars. On va commencer Riven, la suite de Myst avec Flore. Ça va être très intéressant, c'est un des jeux que j'aime beaucoup beaucoup et que je voulais lui faire découvrir. C'est pour ça qu'on a joué à Myst, c'est parce que je voulais lui faire découvrir Riven. Flore qui est game designer et qui va donner son avis sur le jeu. Très intéressant comme toujours. Jeudi prochain, ce sera Valheim avec Eva. Dimanche suivant, ce sera un jeu pour lequel vous pouvez voter sur mon Twitter. Vous avez le choix entre Eastshade, un jeu où on se promène sur une île et on fait des peintures. Yamafuda, qui est un jeu de deck building où on fait une randonnée en montagne. Showrunner, un jeu de gestion où on fait de la production de séries télé. Et After the Storm, un jeu de fantasy de gestion de ville. Le jeudi d'après, ce sera Terraria avec Curie et Kayak comme d'habitude. Et exceptionnel, vendredi 17 mars, ce ne sera pas sur ma chaîne, ce sera sur la chaîne de Magnifique,
Je serai interviewé par Magnifique à 20h30. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais préparer un petit raid. On va aller raid les gribouilles. Je vais regarder s'il y a quelqu'un d'autre parce que je raid assez souvent les gribouilles. Voilà, on peut varier les plaisirs aussi. Non, il n'y a personne. Donc c'est parti. On va raid les gribouilles. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. A priori, personne ne l'a fait, mais c'est pas grave. Vous pouvez toujours me regarder en replay si vous le faites. Merci beaucoup. Et on est bientôt parti. Bonne soirée tout le monde, c'est parti.